Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Coucou. Salut. Yo. Bonsoir à tous. Coucou. Comment allez-vous? Vous allez bien? À tous. Évidemment. J'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est du Minecraft, comme depuis un certain temps maintenant. On avance sur Ragnaros 6. Dans ce trou, je le vois direct, c'est effrayant. On avance sur Ragnaros 6 comme d'habitude. On se remet tranquillement de l'explosion de mort qu'on a eu hier. Enfin, on n'a pas eu une explosion, mais on a eu des petits déchets radioactifs dégueulasses dans la petite bazounette. C'était dégoûtant. C'était dégueulasse. C'était officiellement dégueulasse. Ça va, aujourd'hui, ça s'est arrangé. Vous allez voir, tout s'est arrangé. Et on va bosser sur pneumatique un petit peu, on va avancer à notre mode. Histoire de finir encore un mode. Évidemment. Alors, let's go. Ah, faut mettre le son. Le son is coming, guys. Alors, Minecraft, il est où, là? Coupé retour, j'arrive. Tac. 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 Et tac. Ok, nous sommes actuellement dans notre magnifique cube. Rien à changer ici, hein. J'ai pas rajouté de machine, j'ai juste rajouté des autocrafts, hein. Tout ça, aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai fait. C'est pas foufou, hein. C'est pas fou. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de plus? Là-bas, on n'a rien fait de nouveau. C'est-à-dire que, finalement, tout s'est bien passé et qui finit bien. C'est-à-dire que, tac, le réacteur fonctionne. Bon, là, il est en off parce que j'en ai pas besoin qu'il soit en on. Il est en off. Alors, ce qui se passe, c'est que cette machine-là, elle a besoin de soleil. Et ici, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de soleil. Si, il y a du soleil. Mais c'est pas le bon soleil. En gros, le soleil d'ici n'est pas compté comme du soleil officiel parce que c'est une dimension particulière. Elle le sera à la prochaine mise à jour, je crois. Donc, on continuera le réacteur à fission quand on aura fait la mise à jour du serveur. Ce qui est pas tout de suite, hein. Ce sera le week-end prochain, je pense. Donc, on a le temps. We got times. Alors, qu'est-ce qu'on a fait du coup, nous, aujourd'hui? Enfin, dans mon coin, j'ai commencé à bosser sur pneumatique. Pneumatique, voici que voilà. Donc, ça, c'est une chambre à pression. En gros, ça sert à compresser les objets, quoi. À compresser de l'air dans les objets. Donc, globalement, on fout les trucs ici, là-dedans, enfin, via un autocrafter, moi j'ai mis. Et sinon, on les met à la main dans le hooper. Tac, ça rentre. Ça se met là, ça pressurise comme il faut et ça ressort derrière. Et ça va directement dans le système, parce que j'automatise tout par le système à chaque fois. Donc, ça va dans le 6TMU. Ça, c'est ce qui gère l'air pressurisé qui dégage, qui va là-dedans, qui va dans le cube. Là, ça commence à ramer ici aussi maintenant. Qui va dans le cube via cette petite valve là. Également, ces machines-là qui génèrent de l'air alimentent toutes nos petites machines qui permettent de faire des petits process. Des petits process. Coucou à toi! Coucou à toi, Nick, comment tu vas? Tu vas bien? Tu as la forme? Qui permettent de faire des petits. Du petit plastique, je crois. Putain, ça rame à mort! Les fuck! Mon dieu! Oh, ça rame monstrueusement ici maintenant. Ah, c'est compliqué la vie, hein. Ça rame, hein. Bonsoir, je sais pas pourquoi, mais je suis super content d'être là, alors je crie. Ah, c'est bien. Bonsoir. Il faut crier. Ah, ça va bien, ça va tranquille aussi. Donc ça permet de faire du plastique, hein, je crois. Du plastique, c'est ça, ouais. De molten plastique, en gros, ça on le pose ensuite dans l'air. Il y a ici, là, vous voyez. Il y a le plastique, je prends un bucket, je le lâche par terre et ça le transforme en plastique automatiquement. C'est fou. Ça va bien, on dit, ça va tranquille. Ouais. Exactement, on est tous très contents d'être là. Tous. Toi et moi, quoi. C'est déjà un bon nombre, hein. C'est déjà deux. Mais ça, c'est parce que je vous ai manqué ce midi, ça, c'est pour ça. Ce midi, je vous ai manqué, c'est sûr. Non, en vrai, je vous ai expliqué ce qui s'est passé ce midi. Ce qu'il s'est passé, pardon, ce midi. Top 1, et plus tous ceux qui le veulent et tous ceux qui sont seuls, entrez dans la danse, entrez dans la ronde. Alors, ce midi, c'est passé que mon réveil a sonné à 10h30, je me suis dit... Bon, il sonne aussi à 11h30 au cas où. Je me suis endormi, et à 11h30 j'ai fait. Non. Du coup, je vous ai prévenu qu'il n'y aurait pas live. Et je me suis réveillé, et je me suis endormi, et je me suis re-réveillé à 15h. À 15h, je me suis réveillé. C'est incroyable. Et donc, ben, nous voilà maintenant, quoi. J'ai bien dormi, ceci dit. Ah, j'ai dormi comme un petit enfant, ouais. Putain, mais ça rame à mort maintenant. The fuck. Et quand je stream, il y a une barre qui apparaît à droite de mon écran. Je sais pas ce que c'est. Là. Je sais pas ce que c'est. Quand je suis en live seulement. Sinon, elle est pas là quand je suis pas en live. Hein. C'est plus une grasse batte, c'est une libération. C'est une libération. Une bonne libération, pardon. Ça fait plaisir.
J'ai bien hiberné, je suis content. Ça m'a fait beaucoup de bien de dormir en tout cas. J'ai bien récupéré, je suis encore fatigué, mais du coup, je vais pouvoir dormir ce soir. Je me suis couché à 5h. Hein. Bon, c'est un peu ma faute encore une fois. C'est un peu ma faute. C'est un peu ma faute. Hey! Oui, je me couche tard. Voilà. Après, on a arrêté le live vers 2h, je crois. J'ai slacké un peu, et ensuite, je me suis un peu perdu. Et ensuite, je me suis endormi. Ah, putain. Mais moi, j'avais le j'ai aussi la récupération de 24h. Je l'ai pas faite, celle-là. Je l'avais pas encore faite. Là, je l'ai bien faite. Là, je suis content. Là, ça va. Bon, mais il n'y a plus qu'un. Donc, on a fourni le plastique. Donc, c'est parti par tous les modes. Enfin, tous les objectifs du mode. Dans le mode pack. C'est ma faute, c'est ma faute. J'assume entièrement. J'assume entièrement. Donc on a fait du plastique. J'en ai fait 64. Et maintenant, faut que je fasse chaque petite brique de Lego. Voilà, faut faire du Lego. Je viens également de les automatiser dans mon système. Donc normalement, elles sont toutes automatisées. Regardez. Pneumatique. Elles sont toutes là, c'est fou. On va les faire en vitesse. Hein. Start tout. Normalement, on a de quoi tout faire. Hein. Quoique, peut-être pas en vrai. On va voir. Ensuite, pour les valider, faut que je les prenne dans l'inventaire. Sinon, ça les valide pas. Dans le mode pack. Alors, pneumatique, ça a l'air sympathique, mais pas foufou, quoi. C'est-à-dire que c'est rigolo, ça fait de la pressurisation, mais c'est. En termes de rendement, c'est pas dingue. Vraiment pas dingue de ce que j'ai pu voir. Donc, on va le faire juste pour le mode, et puis on va s'arrêter là-dessus, je crois. Pour le mode pack, pardon. Parce que le mode a l'air. C'est un petit peu quoi le. Bah, c'est pas la technologie quoi. Hein. Enfin, ça l'est un petit peu, mais. Elle est moderne quoi. C'est un peu comme. C'est un peu comme immersive avec les grosses machines de fou qui font un petit peu révolution industrielle quoi. C'est des machines qui fonctionnent, mais bon, c'est pas les meilleures machines du monde, hein. Évidemment. Voilà. On a effectivement fait toutes les couleurs, donc ça passe, on avait de quoi faire tout. Et là, si on regarde, on a tout fait. C'est impeccable. C'est impeccable. Est-ce que la lumière qui est pas allumée, ça vous pose problème? Parce que sinon, je peux l'allumer, mais le problème, c'est que c'est... C'est embêtant pour moi, mais je peux le faire. Dans le sens où ça prend l'électricité, ça fait du jour, quoi. Je devrais l'allumer en vrai pour mes yeux. En vrai, il me faudrait une petite lumière derrière mon écran pour pas que je m'abîme les yeux. Et qui m'éclaire un petit peu. Mais pas trop forte. Après, j'avais déjà dit ça, je crois, mais je l'ai pas fait parce qu'il faisait chaud. Et bon, une lumière qui t'éclaire la gueule, ça fait encore plus chaud. Un petit néon, ouais, pas un néon, quoi. Un truc un peu plus léger. Et qui m'éclaire derrière mon écran. Et qui me renvoie un peu de lumière également, comme ça je suis illuminé. Pas juste quand mon écran est blanc. Quand il est sombre, on ne voit pas. Et auquel cas la lumière derrière ferait que ça me renvoie la lumière dessus. Bah, j'ai déjà des LED derrière, mais c'est pas suffisant. Faudrait des bonnes LED. Ouais, pas trop violente non plus. Caché derrière mon écran pour pas que je sois non plus moi ébloui. Ou alors je le mets à ma gauche. Ou alors je mets un truc à ma gauche, sur le mur. Qui m'éclaire. Un peu en diagonale. Vers là. Comme ça, ça prend ma face aussi. Et je serai un peu sombre sur le côté, mais c'est pas très grave. Faudrait que je réfléchisse à ça, en vrai. Une petite lampe comme ça. J'ai de la place en plus, hein, pour la mettre. De plus en plus de monde sur mon live, c'est vraiment hyper motivant. Pas grave. Alors. Donc les machines tournent tranquillement, elles sont toutes automatisées parce que j'adore ça automatiser. Je suis un malade moi, j'automatise tout, je suis un dingue. Alors ces machines là, il faut. Elles prennent de l'air pressurisé qui vient par ces tuyaux là. Ah, c'est vrai que c'est Koh-Lanta. Ah, mais c'est Koh-Lanta que quand c'est mon live, quoi. C'est-à-dire que chez moi, c'est Koh-Lanta. Chez les autres, par contre, c'est pas Koh-Lanta. Du coup, ça prend de l'air, ces machines. Ça prend également un fluide. Celle-ci
Enfin, un fluide, peu importe, hein, regardez, ça prend n'importe quoi. Ça dépend de ce qu'on veut créer. Mais selon ce qu'on veut créer, ça prend un fluide. Et ça prend de base de l'air et un peu de chaleur, selon ce qu'on crée également. La température, j'ai mis la lave sous pour créer ce que j'ai envie de créer, le plastique, là. Cette machine-là, c'est un mix, donc en gros, ça prend de l'air également, pressurisé, on le voit là, sur la pompe. Et ça prend de liquide pour faire, voilà, pas grand-chose de plus, mais faire du... Ça, on s'en fout. Donc ça fera que ça, cette machine. Parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est les drops de glycérol. Qui sont également directement récoltés, floup, ici. D'ailleurs, je sais pas trop à quoi ça sert, j'ai pas regardé. Ça sert pas forcément à beaucoup de choses. On peut faire des pansements. On peut faire des bandage. C'est fou. C'est fou. Ah, c'est vrai que c'est mardi soir. C'est Koh-Lanta le mardi soir. Ah, apparemment, il y a une singularité à faire, également. C'est un truc d'un autre mode, la singularité. Y a pas grand-chose. Y a pas full objet à faire, hein. C'est pas la folie du cul, quoi. À ce qui paraît, ça brûle, mais c'est tout ce que ça fait. Ouais, c'est pas dingue. On peut faire soit des pansements, soit des speed upgrades pour le mode. C'est pas oufissime. Vraiment, c'est pas dingue. Je vais prendre quelques petits bonbons, parce que je suis un gros tas. Hop là. Et que ça me console au moins. Fais gaffe à bien dire bandage en avance, on entend autre chose. Ouais, bandage, je sais. Je sais. Je fais un peu exprès souvent. J'aime bien dire bandage pour dire bandage. Ça m'amuse. Ok. Donc on va rejoindre Caro en vocal. Bonjour Caro. Je crois qu'elle est mutée pour l'instant. Elle monte mon réacteur, je crois. Elle monte mon réacteur, c'est beau. C'est beau tout ça. Alex me dit, ouais, je sais. Alors, il faut que je fasse une raffinerie également pour pouvoir récolter. Oups. Pour pouvoir récolter de cette merde là. De LPG. Salut toi. Coucou Didier, bonsoir à toi. Comment vas-tu, Charmy? Tu vas bien? Tu as la forme? Heureux. Heureux, Caro, coucou. C'est quoi le bruit qu'il fait? Je sais pas, ça... Ça fait un bruit de fou? Ah, ouais, ça faisait... Je sais pas... Moi j'ai muté tous les sons des machines parce que c'est insupportable. Pour muter les sons des machines, t'appuies sur E. Ah, mais attends, t'as pas le bruit, toi. T'as muté le jeu. Ouais, t'as muté le jeu. Non, t'as pas le son. J'ai eu le son. Ah. Ça va bien, Didier, tranquille? Je vais bien. Ouais, tu fais E, tu vas dans la petite truc où il y a le son muffler, là. T'as une petite icône en haut à droite de ton portrait là, enfin de ton personnage, qui s'appelle Muffler. Clique. Ouais. Dans la recherche, tu marques le nom du mode. Là, actuellement, le nom du mode ici, c'est pneumatique. Tu marques P-N-E-U. Ouais. P-N-E-U. Et là, tu mutes tout. Ouais, c'est pneumatique trap et tu mutes tout ce qui fait du bruit actuellement. Ça te fera de silence comme ça. Start Muffler, non? L'icône de gauche. De gauche? Oui, de chaque truc. Attends, je vais juste prendre. Pneumatique, là. Et à chaque nom, à droite, moi, tu as deux icônes. Juste... Bah, tu te mutes. Ok. Voilà. Tintin. Bon, continuons ce petit mode, là. Faut que je fasse Alors, une raffinée. Est-ce que tu peux juste expliquer un peu? Qu'est-ce que j'ai c'est fait bon. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai expliqué un petit peu, mais voilà. En plus de ça, je comprends pas pourquoi il y a des abeilles. Enfin, aussi, j'aimerais. Voilà. Pourquoi des abeilles? Comment ça? Ben. T'es des abeilles. Tes abeilles, ils sont revenues? Non, elles sont pas toutes mortes. Il y en a juste une qui est morte. Alors, ce qui s'est passé hier, c'est que. En gros, j'ai voulu enlever un déchet nucléaire là-bas. Sauf que c'était pas une bonne idée de le casser avec les, une pioche. En gros, tu peux pas traiter le déchet nucléaire. Du coup, ça a mis. Sur 8 chunks, c'est-à-dire 8 petits carrés de zone tout autour de là où j'ai cassé le bidule, de la tchernobylite, de la radioactivité, pardon. Et du coup, 8 chunks, c'est pile poil là où s'arrête le premier truc d'abeille. Ouais, mais attends, toi, ton premier. Il y en a une qui a survécu. Alors, il y en a une qui a survécu parce qu'elle s'est téléportée, je sais pas comment elle a fait, hein, magicienne. Mais voilà, elles sont mortes. Et les tiens aussi étaient sur la route. Ça, c'est sur 8 chunks aussi, ça. C'est vraiment dommage. Okay. La radioaction, oui, pardon, la radioactivité, excusez-moi. Okay. Mais là, le moteur, il tourne pas. Enfin, le moteur à fission, il tourne plus, donc. Je l'ai coupé pour l'instant. J'en ai plusieurs. Okay. Le gros truc, là-bas.
Enfin, le petit truc. Le petit truc, c'est le moteur, et à gauche, c'est le... Non, la oui, celui-là, il sert plus à rien, quasiment. Mais ça, c'est la turbine pour refroidir le moteur, ça. Elle est grande, ouais. Elle est grande. Oui, ouais, pauvre méduse. Ouais, désolé pour la méduse. Ouais, du coup, bah, après, j'en ai d'autres. Je vais remettre les objets. Ouais. Je suis quand même mort deux fois hier soir. T'es mort deux fois? Ouais, parce que j'avais une troisième couille, du coup, je me suis suicidé. Quoi? Deux fois. Bah, j'étais radioactif, quoi. Ouais, mais est-ce que l'activité d'une radio provoque de la radioactivité? Évidemment, c'est sûr. Parce que c'est évident. J'ai vu que tu t'avais... Ça rame maintenant ici. Hein. Ça rame de où maintenant ici, putain. Attends, je marque quoi là? Jellyfish. Jellyfish. J'en avais 4 en... Allez, raffinerie. Mais non, 3, on sort plus. 3 ou 4? 4, ouais, je me suis trompé. Mais bon. Ça rame de partout maintenant, tout le temps. Alors, c'est parti pour faire raffinerie. La raffinerie. C'est ça. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Ah oui, il a pris les trucs. 4 raffinerie output et... un contrôleur. Donc 4 ça. Ah oui, ça c'est pour d'accord les divisions. D'accord, je vois le truc comment ça marche. Ça rame autant qu'un gondolier des fois. Bon. Les méduses rêvent. Du coup, ça rame très lentement, ça va. Verte à deux têtes. Non. Alors. Peut-être que ça aurait pu. Mais je vais autocrafter cette merde. Voilà. La fin, c'est tac, que les méduses, je sais pas pourquoi. C'est soit qu'ils restent en bas. Ça, c'est bon, moi, je reste caché dans le sable. Et un comme contrôleur, il faut. Comme une autruche. Ou soit je me mets au scalibre. Voilà. La glace. On va les crafter maintenant. Raffinerie. C'est quoi qui te manque comme abeille? Celle où il y a des blocs par terre et qui sont morts. Il y en a 6 qui ont disparu. Mais t'inquiète pas, hein, on a les graines de toute façon qui produisent aussi, donc c'est pas un problème. Ok. Bah, du coup, l'enfer c'est qu'on peut soit aller chercher des méduses qui nous manquent. Qu'est-ce que j'ai foutu? Soit essayer. Parce okay. Que la musique est forte, non? The fuck? Pardon. Non, mais pardon. Vas-y, dégage. Ta-da-ta-ta. Donc, j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça me rappelle quand j'ai voulu faire un gros aquarium dans Dragon Quest Builder 2, les poissons se mettaient tous dans le même coin. Ah oui! Ah mais putain, mais Dragon Quest, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Okay. Dragon Quest! Ouais, mais Builder, c'est pas... Builder, c'est vrai. Alors, on va tenter de brancher ces machines. Pardon. Je sais pas comment ça marche. Je sais pas, je suis fatigué. Il faut de la pression pour ça. Pas mal de folie d'intervenir, t'inquiète. On va essayer d'aller en chercher. Hein. Pas tout compris cette machine. Alors, il faut mettre un fluide. Ok. Needs to be stacked on top of each other. D'accord. Ça fait un an et demi que je me disais que je montre mon château. Ah ouais. Et moi, j'avais commencé à faire une espèce de quai. En haut. Je vais faire là, il faut l'isoler. Pour garder la chaleur. Et il faut également la chauffer. Donc en fait dessous on met de la lave. On met de la lave au dessous. Lava. Tac. Je crois que c'est assez chaud comme ça. Et on va l'isoler. Okay. Allô? Allô? Ah non, j'ai comme l'or. Ah, j'ai peur de l'or bleu. Je me suis trompé. Je suis fou. Ça rame tellement ici. Elle me dit qu'il n'y a plus que 5 blocs. Ouais, c'est ça. Il y a 4 blocs qui sont
Et il reste plus qu'à mettre le fluide. Ok. Et là, on voit que ça chauffe, hein, bien comme il faut. Et que ça garde. Donc là, pour mettre du fluide, il faut que je crois... Ah, mais il me faut, mais il me faut des exputes, là. Alors, il me faut un exporteur qui exporte le bon fluide. Et le bon fluide, je crois... Je me suis concentré. Ah, mais ça rame tellement. Qu'est-ce qui se passe? Une belle pyramide avec des deux chemins. Ouais. Ah non, mais ça doit être cool. Ah, des fois, j'ai le truc qui s'excite. Truc. Ok. Ah. Ah, ça chauffe pas à l'infini, apparemment. Un peu chiant. Il me faut une source de chaleur infinie. Je sais pas comment faire. Un bloc sur la chaleur infinie. Je sais pas comment faire. On va voir ça, on va s'en servir ça après. Donc là, je lui apporte... Oh, GG. Merci. Il lui faut du... Là, je crois. C'est quoi qui me manque, du coup? Je vais checker, mais je crois que c'est du... Oui, non, c'est... En faisant la pyramide, je me suis rendu compte qu'il avait... Pourquoi ça donne des trucs différents en fait? Un nombre... Alors que c'est le même. Une pièce possible, ça en... Ah ouais, une autre, un nombre fini. Attends. Pourquoi ça dépend du truc, mais c'est le même? Bon, on va en mettre. On va lui dire, hey, crude hole, tiens. Voilà, par exemple. Et là, est-ce qu'il absorbe? Il ne l'absorbe pas. Pour le quai. Donc ça ne marche pas. Comment il faut que je pompe? Merde. Comment faut-il que je pompe? Ah, il faut que je mette du jus. Normalement, il y a du jus, ça exporte le crude oil. Est-ce que c'est du bon? Bah oui, c'est du bon. Est-ce que j'en ai déjà? Peut-être pas, en vrai. J'en ai pas, en fait. Tout simplement. Okay. Ah ouais. On l'avait pas en fait. Ça se récolte dans la nature, ça, on va l'en chercher, je crois. Au bout de ma main, ça ne crée plus de pièces dedans. Je vais plus finir. Ah ouais. Ok, ça se met dedans. Maintenant, faut chauffer au moins 100 degrés pour que ça puisse séparer. Le problème, c'est que je sais pas comment alimenter à l'infini. En chaleur. Ah, déjà on va faire ça. En vrai, on a peut-être pas besoin, ça dépendra. Non, qu'est-ce que je fais? Hâte pneumatique. Lava. Lava, lava, lava. Ok. Ah, ça a chauffé, bam bam. Et là, il y a du byproduct, vous voyez? Il y a les quatre. Je sais pas à raison de combien pour combien, mais... Je sais pas non plus comment on les suce. Alors avec des importeurs, ça marche. Importeur. 1, 2, 3, 4. Est-ce que ça marche avec des trucs qui importent dans le système? Est-ce que ça marche? Je vais les mettre en liquide, sinon ça marche pas, évidemment. Je découvre de ramage sur le serveur, des fois c'est très bizarre. Genre là ça rame à mort. Je rame des fois énormément, ouais par moment. Très bizarre. Ok, ça s'use bien, c'est bon. Ok, donc le système est prêt. Ça chauffe. Ok. Ouais, mon bloc il se transforme, ça me fatigue. Ah, il me faut un bloc source infinie de feu. Enfin, de chaleur. Là, là. Pourquoi je rame des fois par contre, c'est étonnant. Je sais pas. Je rame tellement, mais je sais que c'est pas. Pardon. Je m'en doute. Non, mais c'est la fatigue. La fatigue de ouf. Ok, attendez. Option. Musique, voilà.
Un peu marre, j'ai mal à la tête. Il y a un souci, ça rame trop. C'est pas ça qui prend ton FPS. Ça n'a pas l'air de prendre ton FPS. Ça. Quoi? Il y a un truc qui va pas. Merci. Non. Je suis un peu dubitatif. Qu'est-ce qui me pompe des frames? Le retour. Que vous si ça rame là du coup. Bon j'ai des frises dans l'autre mais ça c'est Minecraft. Ah c'est Jardin Carotte hein, c'est possible hein, vu ce qu'il y a là-bas. Rappelez-vous qu'ici avant ça ne ramait pas du tout hein. Avant que j'arrive. Lol. La 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 la. Il me faut au moins un bucket de ça. Au moins un. Donc là je vais partir dans la nature, récolter du de l'essence. Il nous en faut. Il nous en faut. Est-ce que je prends un. Non. Oh, il est comme ça la main. Non. Tu devrais parler d'une série qui t'a marqué, ça serait laquelle? Une série qui m'a marqué. Une série qui m'a marqué. Malcolm. Tellement drôle. Tellement marquant, Malcolm. Non. Ça dépend ce que t'entends par marquer, mais sinon... Une série que j'ai trouvé incroyable à regarder, c'était bien Breaking Bad en vrai. C'est dégueulasse. Hein. Breaking Bad, c'est dégueulasse. Super cool, Breaking Bad. Ouais, non. Super cool, Breaking Bad. Putain, mais mon jeu frise partout, mon jeu a le cancer. Mais c'est quoi cette connerie? Pourquoi j'ai un problème en fait? J'ai mon FPS partout. On est que deux sur le serveur, je comprends pas. Il y a un truc qui tourne. Que j'ai mon DD qui est... Ah, j'ai Steam qui m'emmerde, je crois. Non, pas du tout. Je sais pas. Le qui pompe. Je comprends le choix de Breaking Bad. C'est très bien, Breaking Bad. Breaking Bad, c'est... C'est à la fois très bien et à la fois... Ça marque un peu. C'est très cool. Bah, soit que t'as bien en mémoire, que t'as... car t'as super FPS, soit que c'était... Ah, pff. Soit que c'était bien, mais tellement innovant que tu l'as en tête. C'est plutôt la première catégorie, du coup, pour Breaking Bad. Et puis, dans le sens où... Tiens, sac. S'il veut, lui, là. Il m'insulte, en plus, comme Stard, il a dit. Dégage. Il me faut des sauts. Mais ouais, Breaking Bad rentre plutôt dans la première catégorie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je mâche? Pourquoi je veux tout vert? Breaking Bad, trop bien Breaking Bad. Peut-être me le refaire un jour le Breaking Bad. Hein. Pour le plaisir. En moi, hein. Sans toi? Pourquoi ça te fait peur? Ouais. Il y a rien qui fait peur, non? Dans si. Ça fait peur un peu, c'est dégueulasse. J'ai vu genre... Bon, je crois que c'était un des premiers épisodes, c'est bon, il tabasse un mec, le mec, voilà, il se retrouve dans une espèce de Barry, après, je crois qu'il est décédé, hein. De librairie? Hein? De librairie? De quoi, de librairie? T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Dans un Barry. Dans un Barry? Oui, il y a un mec qui mène dans un Barry. C'est quoi, un baril? Un tonneau. Ah! Je sais plus, c'est possible. Oui. Genre parce qu'ils l'ont vu, puis ils disent ouais, je vais vous dénoncer, ils voulaient pas qu'il y ait ouais, des. Ouais, je vois. Et j'étais en mode, c'est dégueulasse. C'est... Je sais pas comment vous faites pour regarder ça et tout. Je suis très. Breaking Bad, la première fois, j'ai pas aimé et j'ai arrêté à la quatrième saison. Est-ce que j'étais trop jeune pour apprécier ou je regardais en VF? Je sais pas, mais en tout cas, j'aimais pas, mais j'ai essayé il y a 2 ans et j'ai sûr qu'il faisait quoi. Ah bah oui, c'est trop bien. C'est un peu mou, c'est pas le truc le plus accent du monde, mais...
C'est prenant, quoi. C'est pas prenant. Conan l'aventurier, je connais pas. Conan. Conan l'aventurier. Je crois que je connais pas non plus. Conan l'aventurier. Je connais Conan le barbare, moi, mais l'aventurier, je l'ai pas. Je l'ai pas, ouais. Il y a un bateau. La, la... Pour moi, c'est juste un barbare, hein. Putain, mais j'arrive quand même un port, je sais pas pourquoi. Ouais, les ports, ça rame visiblement. La, 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 la... Ouais, c'est quoi, C'est comme Sherlock Holmes, ce policier, c'est un peu ça, c'est pareil. C'est une réalité, réalité alternative, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Réalité alternative. Merde. Ah, j'ai des poussières sur mon tapis, j'aime pas ça. La la... J'arrive. Je crois que j'ai tout pompé là. Voilà. Alors, Conan l'aventurier, c'est un dessin animé au début des années 1990. Ah ouais. Bah, moi je suis né en 91. Ça pourra pas. Ah ouais, je l'ai pas. Alors, okay. Qu'est-ce que tu penses de Tintin? Ah, oh, mais Tintin, je l'adorais, hein. J'adore, hein. Vraiment, hein. Je sais pas qu'est-ce que vous vous en pensez, mais... Je suis pas fan de Tintin, moi. Moi, je suis vraiment pas fan de Tintin. Ça m'agace, Tintin. La musique me faisait peur. Attends. T'as peur d'une musique? Mais ouais, la musique, elle est frère de Tintin. Mais t'as pas peur, genre, de... Comment ça s'appelle? Genre, je sais pas. D'un vampire... Bah non. Ouais. Mais la musique était flippante, de Tintin. Non. Je sais pas, je la trouvais flippante, la musique de Tintin, moi. Pas, je suis bizarre, je crois. Oui, t'es bizarre. Ouais, je sais. Mais non, moi j'aime bien, j'aimais bien Milou, je crois qu'il s'appelait. Son chien. Milou. C'était Mulhouse. C'était Mulhouse. La fameuse ville de France. Et du coup. Elle était épique la musique. Moi, elle me stressait en vrai. Ouais, elle me stressait grave. Ouais. Attends, mais vraiment, tu compares ça, genre une musique stressante versus genre. Mais je sais pas, c'est trop bizarre. En fait, la musique me paraissait trop hors propos comparé à un autre truc. Je sais pas, j'arrive pas à expliquer. Eh ben. Attends, excuse-moi, mais la musique, c'est irréel, non? Ouais. Évidemment que c'est irréel. Mais ce qu'elle procure, par contre, l'est, non? Je sais pas, je crois. Je vais toutes les mettre. Alors, normalement, on devrait être bon là. Double plastique, LPG, ça, faut faire du LPG. Le fameux LPG, les gars. LPG, faut faire. Par contre, c'est pas grave de jouer comme ça. Ça rame beaucoup. Faut acheter notre dimension hein, pour notre machine, parce que là, ça commence à être bourré la machine. Hein. La dimension. Elle commence à ramer celle-là aussi, hein, ça y est. Ah ouais. Bah ouais, je suis en train de voir s'il y a pas des trucs qui vomissent, mais il y a rien qui vomit, je crois, donc... Pas de raison que ça rame, quoi. Enfin, pas de raison. Vraiment aucune raison que ça rame, hein. Aucune raison, il n'y a pas un réacteur là-bas, non. Y a... Rien de tout ça, quoi. Tout ça pour faire cette petite merde, là. Hein. Bon, ça, c'est bien. Et ça, là. Alors... Le LPG Bucket. C'est donc dans l'univers de Conan le fou, on suit un barbare cimérien Conan dans sa propre. Dans sa quête pour sauver ses parents pour changer de pion. Ok. Je crois l'avoir déjà vu. C'est assez grossier, ça non? Genre il est. Attends, je peux regarder. Conan l'aventurier. Est-ce que c'est bien ce que je pensais le mieux ou pas? Ah oui, c'est ça. Ça ressemble un petit peu à du dessin comme Raon. Raon, plus vite que le vent. Raon.
pour cela. On a déjà vu, c'est des connards. Le sorcier roi. Le Stygie, un royaume maléfique dédié au. Au dieu Set. C'est au dieu Sith. J'ai toutes les BD de Tintin. Ah ouais, putain. J'aime bien aussi le QX, c'était bien aussi. C'était bien, c'était bien. L'homme quitte plus vite que son ombre. Alors, est-ce que c'est bon? Et comment ça, c'est pas bon là? Eh oh, faut. Ah, y'a plus de feu. Y'a plus de feu. Est-ce que. C'était quoi ce bruit? C'est moi? Ah, c'est toi. J'ai peur, j'ai dit pas normal ce bruit. Lava! Ouais, vraiment, je suis fatigué de ouf. Je sais pas quoi faire pour. Manger à cause de tout ça. Conan est le nom générique pour plusieurs héros de l'âge iborien. Ah, c'est vrai? N'empêche, on a vu des dessins animés de Tintin, de Lucky Luke, des Schtroumpfs, mais jamais de dessins animés d'Astérix en dehors des films. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de dessins animés de séries animées. D'Astérix. Ouais, mais. Il me semble pas. Astérix, c'est juste des films, hein. C'est pas des. C'est pas ce qu'il dit, ouais. Je le prends, je le remets. J'appelle ça de la triche. Fatigué. Et paf. Le bloquet est là, c'est bon. LPG. LPG. LPG, frère. C'est bon, ça c'est fait. Ok. D'ailleurs, vous avez vu le Tintin de Spielberg? Absolument pas. Absolument pas. Il me semble pas. Ouais, bah oui. T'as pas besoin de me demander tes modos. Hein. Ah, c'est vrai, c'est une série, mais à la radio. Ah, je sais pas. C'est juste ceux qui sont pas modos qui peuvent pas. Après, moi, je fais confiance à mes modos. Hein. Je sais que vous allez pas mettre la merde. Les modales. C'est l'effet modal. C'est comme The Cat, hein. Je sais que lui, il met de la merde, enfin, j'ai interdit, mais... En vrai, non, je comprends. Bah, c'est vrai, hein. Tu fais bien. Non, mais tu fais bien, c'est vrai. Allez, salut, d'ailleurs, je m'en vais. Quoi? Alors... Il faut faire quoi? Il faut faire des choses, là. Faire le Etching Acid Bucket. Et ça, il faut balancer des choses. Ah, ouais. Il faut avoir le truc pour le craft du motène plastique, il n'est pas encore autocraft. Il faudra balancer ici. Pour que ça autocrafte et pour que ça compresse ça en de l'acide dégueulasse. Ah oh bah c'est trop bien. Voilà les 65 épisodes. Ah ouais. Il met de la merde dans le chat. Bah il a mis la merde dans le chat. Il a marqué de la merde. Donc il a mis de la merde dans le chat. Bravo lui. Voilà, ça c'est quelqu'un qui suit un petit peu. Bon, après... Ta-da-da-ta-ta-ta-da. On croit qu'elles sont... Enfin, mais... Ah ouais... Donc là, si je demande par exemple de crafter... T'as site de merde, là? Mais non, faut que je demande ici de le crafter. At pneumatique... Il va m'en faire un en me disant, ouais, c'est bon, frère. Ça prend un certain temps. D'ailleurs, on peut aller voir la machine bosser si vous voulez. Je me perds où la machine. Elle est là. Il faut les items là-dedans. Là, ça les accepte et ça les fout dedans. Vous voyez? Il y a tous les items dedans. Qu'il faut. Tac, tac, ça met un peu de temps parce que ça. À chaque item, ça. Il faut que ça dépressurise et que ça repressurise. Voilà. Tac, c'est rigolo, hein. C'est marrant, hein. Eh, c'est marrant. Ah, c'est en train de te foutre. Pourquoi j'ai dit 1960. Oh, il a envoyé un caca dans le chat. Oui. Oui, on dit ça qu'on veut. Là, je suis content. Et voilà, ça fait le produit là-bas et ça l'a balancé. Ça a fonctionné, donc je vais récupérer mon dû. Mais si tu veux, ouais, je peux poster. Je récupère mon dû.
et je fais un petit bout du défi. Hop là. On est bon. On est bon. Je vais mettre ton micro ici, comme ça, je peux pas. Je peux taper au clavier tranquillement. En plus, je m'entendais plus fort comme ça, je peux ne pas parler fort. Ouais, je t'entends, moi. Je sais pas, c'était ta question ? Non, c'est pas fini, mais... Ah, pardon. Tu m'entends souffler, genre respirer. Un petit peu, des fois. Ah, il faut que je fasse avec cette machine, Assembly Controller. Je savais même pas que j'ai... C'était mode top, tu vas aimer. Oh, le toit de fromage, j'avoue. Il y a un fromage, il y a des modes fromage, hein, trop cool. Ça, c'est pour Todd, il adore ça. D'ailleurs, demain midi, on retourne sur mon maker, hein, de façon sûre. Hein. C'est-à-dire que demain midi, j'aurai récupéré mon 24h, évidemment. Je vais pouvoir enfin live comme il faut. Évidemment. Ouais, mais là, je vais pas te pousser non plus à 5h du matin. Hein. Ouais, je sais. Faut que je fasse photographier les deux. Hein ? Oui, si tu veux pas qu'on respire, il y a un moyen simple, c'est arrêter de respirer. Si j'arrête de respirer, je meurs. Et si je meurs, je crois que tu vas être triste, non ? Ah oui, c'est vrai. Pardon. Ouais, non, c'est vrai que ça, c'est pas une bonne idée. Fais une télécommande. Après, si tu veux plus de moi, voilà. Trop bien. Attends, j'ai dit si tu veux plus de moi, t'es trop bien. Oh, je parlais pas de ça. Hein. C'est quoi cette boule magique, là ? Ah, c'est bon. On va prendre des slime balls. Non. D'accord. On va prendre des slime balls. Je suis fatigué de ouf, par contre. Tac, et voilà. Ah, par contre, j'en mets... Non, mais arrête tes conneries, yo ! Arrête ! Je vais commencer un truc. Voilà. Est-ce que c'était une qu'il fallait ? Ouais, je t'entends. Ok. Ouais. C'est une seule. Va voir si Sky doit respirer. Bah, faites-le si vous voulez. Sacré matin. Ah mince, si ta chaîne Twitch sur Abonne. C'est vrai, ça c'est possible. Bah après, non, je vais pas mourir en live. Hein. Arrête. Quoi ? Non, rien. Je dis que j'allais pas mourir en live. Ouais, c'est vrai. Ok, on a les deux transistors magiques, on va en faire quelques-uns, il faut en faire un seul ou deux. On a le transistor et le capaciteur, on va faire les deux. Regardez, on marque là-dedans dans Hâte. Pneumatique, mon cul. On a les deux qui sont là parce que j'ai lancé l'autocraft. On va en crafter un de chaque, hein, juste pour le plaisir. Tac. Et ça craft. Par contre, ça va mettre le temps si ça se fait là-dedans. Les deux sont en cours de préparation. La préparation est en cours. Ah, j'aurais pas dû mettre les deux dedans parce que ça fait n'importe quoi. Ça va se mélanger. Non. Bah oui. Est-ce que Sky doit respirer? Non. Bah attends, mais... Je pourrais attendre. Attends, t'as mis vote par... Et tu comptes du coup, comment dire, tu comptes respectant le vote ou pas ? Le choix du public ? S'il décide que non, tu vas arrêter de respirer ? J'ai pas envie de mourir. Ah ouais, c'est dangereux quand même, regarde. Oh, ça l'a fait quand même, c'est bon. Ça pressurise comme il faut, c'est bon ça ! Putain, mais c'est bon cette machine, ça ! Trop fier de moi d'avoir automatisé ça, je suis un génie. I'm a fucking genius, you know ? C'est bon. Hâte, pneumatique. Vous voyez, là, c'est ici, et paf. Et c'est également ici, et paf. Et là, on avance. Bim. Alors, donc, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut qu'on puisse fabriquer cette petite merde, là. Non, pas encore. Il faut d'abord fabriquer ça, là. Ah, mais c'est par là qu'on va. Charging station. Je peux la faire maintenant, hein. Je sais pas si c'est pour recharger les items, je suis pas sûr. Alors ça de suite, hein. J'ai un sondage, moi aussi. Est-ce que Sky doit continuer de respirer? Oh, dans le doute, hein. Quoi? J'ai mis peut-être dans le doute. Moi j'ai mis peut-être, hein. Ah, j'ai mis peut-être. Quelqu'un a mis non. Cordialement, évidemment. Je te déteste, ni. Qui a fait ce sondage de merde là? On se demande vraiment qui l'a fait. C'est Caro qui l'a fait, non? Non, c'est pas moi. Arrête. Pourquoi tu dis que c'est moi, c'est pas moi? Mais pour t'embêter, ça marche. Alors. Charging station. Rien fait, moi. Oh, ni, on sait que c'est toi. Oh, ma souris, il est grâce de ouf. J'ai rien fait, moi.
Oula, j'ai rien fait. J'ai pas dit toi, j'ai dit ton nid. Je sais, j'ai mis ton nid. Donc ça c'est bon, faudra que je le craft ensuite. Ta 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 ta. Tin 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 tin. Craft, hein, et ça craftouille. 12. Elle est là. Et paf. Vortex Cannon. Vortex Cannon. Pardon. Ah, mais du coup. Oh, marrant. Ça, va être... Est-ce que ça repousse l'ennemi. Oui, non, et peut-être. Bah, c'est un choix qu'on doit faire. C'est un choix que tu dois faire. Tu prends le meilleur choix, Caro. Si le public ne sait pas se mettre d'accord, tu le mets d'accord à ta place. Ça va. Ça va. Ça va, ça va. Pneumatic wrench. Pneumatic wrench. Mm-hmm. Bah dégage toi. Ma souris bouge trop mal, je sais pas ce qu'il a mon PC, il rame, ma souris bouge mal, je vais tout casser. Et voilà, c'est un vote qui finit par égalité. Un vote de chaque, c'est vraiment fou. Du coup, Caro, tu dois choisir. Mais c'est qui a voté non, en vrai? Bah c'est Only, je pense. Only, pourquoi? Bah pourquoi pas. Ouais, je vais prendre... Bah à plus, Orange. Bayou. Bayou Bayou. Et paf. Ça fait plus choquer tout. Automatic wrench, c'est fait. Donc, apparemment avec ça on peut stocker de l'air. Hein. De l'air? Ouais, on peut c'est pas fou. Ouais mais de l'air, comment tu peux stocker de l'air? De l'air, bah dans une bombe. Une petite truc canister là comme c'est marqué. Ça stocke l'air. Alors. Ensuite ça. Je ferai appel à mon kiwi. Parce que tout est possible avec. La carte kiwi. Tout est possible avec la carte kiwi. Oui, 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 oui. Oula, c'est la marrant, ça, GPS tool. Oula. GPS area tool. Ah non. Je peux le crafter ça, si je veux. Quoi ça? Faire des programmes et tout. Pardon. Attendez, on va faire des programmes, ça va être génial. Quel programme? Je sais pas. Amadron tablette, elle est où? Télé-dé-dou. Ils sont là. Télé-dé-dou. Ah! Ah mais... Est-ce que je peux automatiser le plastique? Non, parce qu'il faut que je jette par terre, donc c'est impossible d'automatiser. Elle est où la tablette de mort? L'Amadon tablette, elle est où? Madon tablette! Elle est là. I click on inventory to allow it to provide them. Quoi? Quoi? C'est que cette merde. C'est une tablette, c'est Amazon en fait. Je crois que moi j'ai des preuves. Hein. Oh, c'est la tablette Amazon, trop cool. La tablette Amazon? Ouais. C'est une tablette Amazon. Non. Si, si. Non. Alors, bon, faut apprendre à écrire. Hein. Comment ça? Ça me fatigue le cul, ça. Qu'est-ce que j'ai chié dans la colle? C'est là! J'en ai marre de moi. Mais non, dis pas ça. Si, j'en ai marre de moi. Mais non. C'est là, faut mettre une vraie glace. Dégage. Une glace que j'ai, hein. Voilà. Tac, poubelle, du coup, pattern. Et on va fabriquer la tablette. Bonsoir. Ah, ok. Bonsoir. Bonsoir Fartigulu, comment bonsoir. Tu vas? Tu vas bien? Coucou, tu as la forme, ami? Tout va bien? Everything is right for you? Il va dire, ouais, c'est bon, dimanche, c'est voilà, t'as pas fait de géo. Dimanche, t'es ça. Pas là, ouais. Bah ouais, mais bon.
Pas seulement dimanche pour vous exposer mes connaissances. Ça marche, Fertig, ça marche. Avec plaisir. Avec plaisir. Normalement, il devrait y avoir de façon sûre du Jogaster dimanche prochain qui arrive donc. Le dimanche dernier, on l'a pas eu parce que j'étais mort après moins de 4 heures. Absolument dead. Bah, c'est comprenable. Non ? Enfin, j'étais pas mort de fatigue, j'étais mort mentalement. Bah, t'étais pas mort. C'est pas une Australie. Ah, je me suis dormi, je me suis quand même couché à 4 heures. Enfin, donc, pas suffisamment, visiblement. Il faut que je la charge. Ah, mais du coup, faut que je mette la tablette. Enfin, le chargeur là. Charge. Ah. Et ça, faut le provide avec de l'air, c'est ça. On va préparer le système. Musique gratuite de Modo, let's go. Mais il est pas ça marche, Fertig. Il est aussi boss, mais c'est la musique du Modo qu'il utilise. Okay. Un Team Shell Mario Bros 2. Quoi? Ça existe cette merde? Mais quel truc? Quel démon? Quel démon de Satan? Mais quel démon de Satan? Bah, c'est un démon du coup. Ah, oh, c'est Tintin. Il va trouver le. Ah, oh, c'est Tintin. Après, j'ai changé depuis, je suis plus grand qu'avant aussi, donc peut-être que ça passe maintenant. Peut-être, hein. Peut-être. Ça passe pas, toujours assez effrayant. Ouais. Ouais, ça me stresse le cul, je déconne pas. D'accord. Non, mais ça peut arriver, hein. Mais normalement, ça charge, c'est ça. A plus tard, Fertigulu, des bisous à toi, merci de passer. J'espère que tout se passe bien pour toi quand même dans la vie. Elle me met mal la musique, je sais pas pourquoi. Pourtant ça mélange entre canon et... Ouais non je sais. Mais je sais pas moi ça me... C'est... C'est plutôt le refrain moi qui me tue à chaque fois. Mais là avec l'instrument ça passe en vrai. Ou alors peut-être qu'inconsciemment j'aime pas la musique parce que j'étais pas hyper fan du dessin animé non plus. Peut-être. Ça m'est... Là. Ça me stresse ça. C'est pas celle-là qui me met mal. Ça aussi ça me met mal. Eh bien merci pour la musique. Merci Adni. Ça m'a rappelé des mauvais souvenirs. Non quand même pas. C'est pas moche comme musique et moi ça me... Je sais pas, le refrain me stresse. Bonsoir. Bonsoir Gnomena. Coucou à toi, bonsoir. Comment tu vas? Tu vas bien? Tu as la forme? Coucou, Gnomena. Coucou à toi. Gnomena. Ah, je me suis froissé une bolse. Excusez-moi. Gnomena. Comment vas-tu? Ça va bien, tranquille? I got de forme, youfou. Comment j'achète? Ça va, ça va. Right click, c'est plus un, j'en veux un. Tu vas l'acheter, connard. Tête.
D'ailleurs, anecdote assez connue, mais Spielberg a découvert Tintin car lorsqu'il a sorti Indiana Jones, plein de gens lui ont dit que ça ressemblait fortement à Tintin. Sauf qu'il connaissait pas avant ça, donc il a découvert les BD peu après. Et très rapidement, il a eu envie d'en faire une adaptation, mais ça a mis longtemps avant qu'il ait eu le droit. D'accord. Ok. Mais je savais même pas, tu vois. Même pas, je savais. Moi, je suis un nulos, moi aussi. Mais non. Si. Non. Si. Non. Non. Non, et non. Pourquoi j'arrive pas à en mettre un si ça commence un peu? On est fatigué derrière ça. Walking on a motorway and... Tu vas le prendre, oui? Catin! Attends, mais il y en a plein de chansons de Tintin en plus. Ça va bien, Tintin. Ça va bien, fatigué. Enfin, fatigué non pas tant que ça, mais ça va. Ça va bien, Tintin. Franchement, Tintin, ça kiffe. Alors là, vendeur Amadron, c'est Amazon qui vend, il échange ça contre 8 émeraudes. Je veux en or doré dans mon basket. I'll click an inventory and or free tank with your Amadron tablette. Qu'est-ce qu'il raconte? Et qu'est-ce qui m'emmerde? Marche pas. No problème, mais tu vas pas me dire qu'il y a un problème. I'll click missing an inventory or free tank. De quoi il parle? Comment ça marche cette merde? C'est n'importe quoi. Ah. Ça ne marche pas. C'est de la merdasse, c'est de la bousasse. C'est de la merdasse, mon capitaine. Tiens, va charger. Pourquoi ça ne marche pas? J'ai envie de tout casser. Je vais tout casser. C'est un sub à Tintin. GG Tintin pour ton sub. Et merci à Oni d'avoir gift ce petit sub. Merci Oni. Et GG Tintin. Et là Tintin se pointe, il dit merci pour le sub Oni. Là on est tous. Oh, c'est le vrai? You are the true one. Incroyable. Alors j'aimerais bien acheter cette merde, mais le problème c'est que ça veut pas acheter quoi. Je veux bien hein. Je fais des efforts hein. Vraiment je veux l'acheter mais ma tablette me dit non, arrête tes conneries. 22h. Right click a tank to right click an inventory to allow it to provide item to vendor. An inventory. Mais comment ça? Il me faut un chest. Mais non, chest, pas cheese. Connard. Cheese. Burger. Là, d'accord. Donc, clic droit ça. Ok. C'est bon, j'ai le droit. Eh mais attends, mais ça c'est directement le... Ah ouais, frère. Non mais arrête tes conneries. Arrête. Donc là, je veux ça. Out of item to sell. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Il veut que je nique sa mère? Il a rien acheté. Oh, tu vois des escalopes? Attends, mais sauf si il faut que je mette ça là. Le mec, il a un abonnement à quelqu'un qu'il connaît pas du tout. Si ça se trouve, il est même plus sur Twitch. C'est possible, ouais. Ça, c'est totalement probable, ça. Oh, je peux acheter, regardez, ça marche. Ah, voilà. Oh oui, place order. Oh! C'est Amazon qui me livre! Oh! Amazon y est parti. Ah par contre, comme c'est un mob qui meurt, il lâche un item. Incroyable. Et là, il va le mettre dans le truc. Et il repart, il l'a posé. Il l'a mis! C'est du génie! Et il va mourir, regardez. Et il va lâcher un item en mourant. Par contre, c'est dommage, hein, parce que du coup, ça traîne par terre, quoi.
Ça fait chier en fait. Ouais, le monsieur qui parle, il est un petit peu vulgaire, mais bon. Qui ce connard qui parle, j'entends. Le mec, il a un abonnement à quelqu'un qui connaît pas tout. Si ça se trouve, il est même plus sur Twitch. Oh, on a des loafers. Stylé. Wouh, stylé de ouf, wouhou. Amazon nous a livré, c'est génial. Je suis stylé de ouf. La merde. On prend l'item et paf. Voilà, c'est fait, ça dégage. Allez hop. Ah, faut la tablette dans le coffre. On a de jouer avec cette merde. C'est pour les enfants, ça. Les tablettes, c'est pour les enfants, les gars. Donc ça... C'est fait. Comment ça, il nous vient un truc là. Oh, ça s'achète, mais y'en a plein. Le blueprint, je l'ai pas le blueprint. Est-ce que... Attends, je l'ai raté. Oh, je suis à la tablette. Voilà. C'est bon, ça achète. Y'a le drone qui arrive. Y'a Jackie le drone qui arrive. UV-Vote Lightbox, pardon. À quoi ça sert? This machine expose un petit PCB to UV light, ouais, making them ready for posting. Ok. Ouais. Rien compris. Chef, j'ai rien compris. Rien compris. Plasting. Ok. J'ai pas trop compris. J'ai envie de finir ce mode parce que ce mode m'agace un peu. Je trouve pas très utile, il est marrant, il y a des trucs rigolos. Mais ça produit que de la merde quoi. Faut pas se mentir. Et depuis que je l'ai mis, j'ai l'impression que j'ai plus de framerate. Hein. Waouh, trop bien. Merci beaucoup. Comment ça gère alors ça, UV Lightbox? On va en craft une. On va l'automatiser. Automatisons. Alors, UV Lightbox, elle est où? Elle est là-haut, je crois qu'elle est là-bas. Elle est où? Ah, elle est là. Non. Elle est là. Tac. Redstone lamp. Ah. Merci. Tac. Ok, c'est automatisé. Pas du tout en fait, hein. Alors ça. Niqué. Est-ce que je peux automatiser cette merde? Je crois pas, c'est le vendeur. Non, on peut pas, c'est que... Ok, ça, c'est pas automatisable. Enfin, je crois pas. Ou alors, je sais pas. Voilà, tac. On fabrique la table. At pneumatique. Elle est où, la petite table? Elle est là. On la crate fois une. Et c'est parti. Elle est là. Purée, la musique qui rappelle la bière du glacé sa mère, ouais. Oui. Lui qui m'aide mal aussi, hein, on va pas se mentir. Elle est où la table? Elle est là. Putain, je m'excite le cul pour rien tout le temps. Don't forget your sunglasses. Comment ça marche? Faut de la pression. Je suis sans pression, moi. Eh ben. C'est bon pour la blague. Alors là, je fous la petite carte magique? Non. Pas compris comment ça marche, c'est quoi qu'il faut que je mette dedans? Ouais. C'est quoi, frère? Hein? Hein? C'est quoi, frère? Je dois foutre quoi dedans? C'est vrai, ça, tiens. Vas-y, là, nique-toi. Ok.
Explose un petit PCB, tout. Il me faut des un petit PCB. Mais comment j'ai un petit PCB? L'un petit PCB, il est là. Faut que je craft. Fail PCB. Comment j'ai un fail PCB? Ah, en le craftant, tout simplement. Bah oui. Bah oui, c'est mieux. Donc il faut que je crafte ça. Je peux le crafter, évidemment. Il suffit juste que j'aille l'auto-crafter là-bas. Dans mon cube. Je retourne dans mon cube, les gars! Un petit PCB, c'est là. Clic droit. Clic gauche. Non, pas comme ça. Comme ça, oui. Plus. Ça, c'est bon. Tac. Tu arrêtes déjà? Non. Ah bon. Oh, mais je suis fatigué. Ah, normal, c'est pas ce que tu m'as dit. Normal, normal. Bah, tac. T'as pas vu la MP que je t'ai écrit? Si. Je crois pas. Ouais, si, je crois bien. Je crois bien, tu je l'ai crois, vu. Ou... Non, je l'ai vu. Bah voilà. Je suis un peu fatigué. Ok, très bien. Tac. Ah, start. Et la machine craft toute seule, regardez, c'est fou! J'ai envoyé le message à la machine, elle envoie les items dans la machine. Et ça, c'est ça, regardez, c'est là, c'est beau! Allez! Le prochain. Et je répète que tout ça est géré parallèlement par un seul truc qui envoie de l'air comprimé là-dedans. Bon, si je faisais juste de ça pour créer de. Voilà. Bon, ça marche pas comme ça dans la vraie vie, je vous rassure. Ça ne suffit pas, hein. Parce que si ça est capable d'envoyer autant de jus là-dedans, ça... Ça implose. Évidemment. On appelle ça la pression. Il est déjà parti? Ah, c'est déjà parti. Très bien. At pneumatique, il est déjà parti dans le système, l'item. Et voilà, on a fait le truc. C'est bon, ça. J'ai envie de tester, voir à quoi ça sert. Et c'est... Oui, il est full. Bon, ça a marché, je sais pas à quoi ça sert. Il en a voulu un par terre. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais tire-toi! Mais va chez ta mère! J'ai un petit chien! Je t'abandonne ici! Salut! Non mais oh! Ça dégage, ouais! Se moque de moi ce mode! Ça va pas tête ou quoi? Non mais oh! Pour qui il se prend? Je sais pas pour qui il se prend ce malade! Ok, il reste plus grand chose à faire, il reste ça. Il reste beaucoup de choses quand même. Mais ça va, ça avance. Pneumatique avance, on a bientôt fini pneumatique. Vous voyez tous les modes qu'on a fini? C'est pas mal, hein? D'ailleurs, j'ai fini thermal tout à l'heure, Caro. Pas mal ça, ça avance. Mais ça, je sais pas comment le faire du coup, parce qu'il me dit qu'il faut de cette machine là, mais. Oh, ah ouais, il faut donc un etching tank. Ah, c'est donc pour ça qu'il faut un petit PCB? Ah ouais, non, mais là ça devient trop complexe là. Ah, je comprends pas, moi. Non, moi je comprends pas, les gars. Il me parle quoi? Il me parle japonais là? Je comprends pas en fait ce qu'il me demande. Il me parle en quelle langue ce petit con là? Donc, ça, il faut d'abord que je puisse en créer un parce que pour créer ces machines là, bah il m'en faut, vous voyez? Voilà, il m'en faut un, vous voyez? Donc, ça, il faut d'abord que je fasse ça. Il me faut un action tank, mais je l'ai pas fait, je crois, si. Ah non, c'est là. Autant pour moi! Allez, zou. On va faire les machines en bas, vite fait. Il nous manquait des machinas! Los machinas! De las machinas, si, por favor. Una poca de gracia. Pa mi pati. Ça c'est pareil, faut le crafter ça. Allez bim, c'est auto-crafté. Allez dégage. Ça c'est pareil ça, allez bim, faut l'auto-crafter. On va se calmer, on a pas ce qu'il faut encore. Ça on peut le faire ça, allez, ça dégage. Voilà, ça dégage.
Merde. Il est où le tank à la con? Il est là. Clic gauche, auto. Ah! Clic droit, et ça part sur un autocraft. Hey! Sacrilège. Glace. Je crois qu'on a marre. Alors, faut que je crafte maintenant le tank. Il est où le tank? Il est là où le tank. Il est là. Faire ça aussi, il en faut combien? Il faut un seul vortex cube. Vortex tube. Je vais muter Caro pour l'instant parce que ça ne vous regarde pas. Alors, il faut que je règle ça. Je vais en faire un seul. C'est bon. Il me faut l'autre merde. Oh, un cadeau. J'arrive pas à bouger ma souris, j'ai l'impression qu'elle bouge mal. Est-ce que... Tout est grasse. Peut-être qu'elle est aussi grasse que moi maintenant. Je pense que je bouffe des bonbons. Évidemment. Heat sink, il en faut 8. Hit sync. Start et ça craft. Et ça part. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert, ça part en banque pour l'instant. Alors, fill this with etching acid and insert empty PCB. Chose que j'ai. Which have been exposed in a UV light box. Can be heated above 50 degrees for progressively faster etching. But etching acid will be slowly used when heated us. Extract un assembled PCB from the side and failed PCB from the top bottom. Ok, vous l'avez? C'est bon. Donc ça c'est crafté, on va prendre les récompenses. C'est pris. Donc ça on le ferait comment? Il faut un petit PCB pour faire un instant assemblé de mon cul. Ouais mais moi j'ai un 100% non? Attends je veux dire... merde, c'est quoi c'est... Ah, pneumatique. Pneumatique, guys. Tac, les trois, je vais prendre le 100%. Il est là. Donc là, on a 100% de chance que ça soit bon. Je sais pas s'il faut de la pression ou pas. On va la poser à côté de la machine, on va tester d'abord. Il y a pas de pression, apparemment. La machine, elle est sans pression. Comme les vélos. Comme les vélos. Moi, je l'ai pas. Moi, je l'ai pas. Alors c'est marrant parce que... Pas les foutre. Marrant. Faut que je remplis ça avec de l'acide. Donc l'acide, pour ça il faut que je mette un connecteur par où on le remplit. Bon on va lui balancer directement le câble, on va voir. Il faut donc un exporteur. Un. Exporteur. J'arrive pas mal à poser ma souris, c'est un truc de fou. Je mets tous les trucs à côté. Je sais pas si c'est normal ou si c'est moi ou si je perds un... J'ai besoin d'y gaper, peut-être. Câble. Ok. Donc là, il faut exporter le liquide. Etching acid. Tac, j'en ai ou pas? J'en ai pas, je crois. J'en avais, si. Et ça se fait sucer.
D'accord. Donc à partir de là, je mets ça. Ça fait de la magie? Oh, ça fait de la magie? Enfin, je crois. Je peux augmenter la température pour que ça aille plus vite, je crois. Pourquoi ils sont à zéro? Pourquoi je peux rien faire avec cela? Ah, parce qu'il faut que je les mette là-dedans pour qu'ils soient plus de chance. Plus de chance. Ah ouais, d'accord. Ah, saut Disney. Ok. Ok, ça va. C'est Harry Potter, je crois, hein. Parce que là, il se passe des choses magiques, hein. Des choses magiques, hein. Allô? Allô, Caro? Ah, toujours pas. Ça fait du soleil, c'est beau, hein. C'est agressif. Est-ce que je mets de la lava pour augmenter la vitesse? Parce que j'ai pas que ça à foutre, on va pas se mentir. Vraiment pas que ça à foutre, hein. Ça va plus vite ou pas? Ça avance plus. Ça avance pas plus vite, hein. Ah si, ça a l'air. Ça a l'air. Allô? Je vois pas de carreau. Tintin. Toujours pas, hein. Je suis désolé, là. Je crois qu'elle est occupée. Alors, waouh, trop bien. Ça, c'est bon. Est-ce que lui, il est fini? Pas encore. Donc là, j'ai mon PCB magique. Trop content. Donc là, il faut que je print. Ah, il faut que je print comme ça. Donc ça, on va le faire là-bas. Vous voyez? On va l'automatiser ici. Si j'arrive. Tac. Par là, ça. Double printed. Tac, clic droit, clic gauche. J'ai vraiment du mal à cliquer sur mon tavis. Enfin bref, vous m'avez compris. J'ai beaucoup de mal, comme si je... Pas un souci. Tac. Non. Printed circuit, tac. Tarte. Comment ça? Je suis le tabassé. Ah, je l'ai dans moi. Il est sur moi. Autant pour moi. C'est bon, il veut le faire. Donc là, il va le craft automatiquement comme un grand garçon. Donc il va se faire tourner la machine là-bas. Comme un génie. Mais par contre, il y a un bug là. Genre, moi j'en veux pas de ça. Je veux pas qu'il traîne par terre le truc. Parce que si je fais ça, je peux le ramasser. Ouais, non, ça c'est embêtant par contre. Ça sera appréciable que ça disparaisse pas, quoi. Que si je fais ça? Non? C'est bizarre et c'est embêtant. Là, il faut vite que je me dépêche de faire ça. De faire... Ah, putain, c'est insupportable. De faire... Ah, c'est la lave. De faire en sorte de pouvoir en recrafter. On va prendre... Pour qu'on en fasse plein. Parce que là, ça crée des bugs, en fait. Ça crée des entités qui ne partent pas. Yes. Génial, quoi. On va la mettre avec Jackie, là-bas. Hein. Hey, je t'amène un pote. Allez, amusez-vous bien, bande de petits cons. Par contre, faut que j'en fasse plein. Ça me fait chier. Alors, ça me fait vraiment chier.
C'est très chiant. Bon, ça décroît pas, c'est bon. J'en avais un deuxième, je crois, 100%, non? Je sais plus. Printed. Ah, j'en ai qu'un, quoi. Est-ce qu'il m'en donne... Ah, c'est m'en donne un autre. C'est bien, j'en ai deux. Il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en faut 8. Est-ce que j'en ai chien encore? Non. Il m'en faut donc 8 au total pour faire les crafts ici. Ok. Il m'en faut 8. Ensuite, est-ce que je pourrais le faire autrement? Faudrait que je puisse faire ça. Ouais, j'aurais cette façon de les faire. Il me faudrait des empty. Et avec les empty, je peux directement les écrire. Sans passer par la machine à gauche. Bah dans ce cas-là, c'est quand même la merde, parce que ça, faut quand même que je les crafte. Oh, oh. Et quel enfer. Mais dégage, toi, PNJ de mort! Rentre chez toi, mec, t'as un problème? Venez me faire chier pendant que je bosse, là, hein. Petit con, va. Petit con. Petit con, petit con. Allô? Caro? Toujours pas. Donc il m'en faut 8 au total. Enfin 8 plus tout ce qu'il y a à faire là-bas, évidemment. Bah. 8, 9, 10, 11, 12. Il m'en faut 12 au total. Il m'en faut 12 au total. Plus peut-être ça là. Non. Et... Tu ma gueule lui. Il se moque de moi ce PNJ, c'est sûr. Convaincu qu'il se foutait de moi. Il faut donc 12, j'en ai 10. Alors là, faites-la, plus ça monte, plus c'est compliqué à réussir le pourcentage. Donc on va dire que c'est bon. Ah, je fais un meurtre, il m'emmerde aussi. Allez, zou. On fout là-dessus. Alors on veut des. Faut qu'on fasse des faux. Des printed. Pneumatique. Pneumatique. Il nous faut des comme ça là. Non, pas des. Ils sont. Si c'est ça. Mais... Allô? Ok. Un petit PCB. Donc j'ai de quoi en faire. Ah, c'est quoi ça déjà? Ah oui, lui, il faut que je l'écrive. D'accord. T'as trop mangé? T'as mangé quoi? Donc là, j'ai quoi? J'en ai 3? Non, j'en ai 2. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en faut 6 de plus. Donc faut que j'en crafte 6 de ça là. 6. On devrait avoir tout normalement. Tac. Ça va partir là-dedans automatiquement, ça va se faire. Ah, tartiflette, c'est vrai. Trop bon ça! Trop bon, trop bon. Tu m'étonnes que t'as trop mangé. C'est trop bon aussi. Donc là, il faut, voilà, faut le faire à prendre le soleil. On monte à 80% environ. Et on espère qu'on a que de la réussite. Et dès qu'on a 12, on devrait avoir assez pour faire tous les craftouilles à la con. C'est chiant. Très chiant. Très très chiant. Allô, Caro? Toujours pas. Est-ce qu'elle remet? Je sais pas ce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Alors... Écrit. En espérant que ça passe à 100%. Par contre, ça me stresse, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui m'a souri. Oh, c'est parce que le jeu rame et que du coup je perds des déplacements de souris. Parce qu'il rame vraiment beaucoup le jeu, les gars. C'est pas une vanne. Hein. Ça rame énormément. Énormément, énormément. New Daily Offer Arnaud Available. Available. Évidemment.
Tiu-t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 i
Nous avons très clairement manqué de papier. Quoi? Non mais... Ok, donc deux fois le même. C'est de celui-ci donc. Ça on l'a fait juste avant. C'est bon. Tac. Tac. Import, export, drill. Ici on a tout aussi. Et pour laser, on a également tout. Il faudra mettre la bonne vitre. C'est de la merde. Est-ce qu'on va mettre une glace normale? Genre celle-ci là. Non. Genre celle-ci. Ah non, c'est un réacteur glace. Crétin! Imbécile! Ah bah Recaro est revenu. Heureux? Heureux. Merde. Désolé. Hein. Oh t'inquiète. J'ai pas mon sang froid, j'en ai marre. Ouais. Mana glace, c'est quoi ça? Tac, c'est quoi cette merde, on veut pas? Ouais, c'était une glace. Go, mais... Attends, il va en faire d'autres, je pense. Non, ouais, c'est suffisant, en vrai, suffisant, suffisant. Tac. Tac. In, export. Il manque le bleu? Qu'est-ce que j'ai glandé? Ah non! Ah, j'ai chié dans la colle! Celui-là. Tac. C'est le blue. Paf. Et voilà. Voilà. Ça, c'est tout auto-crafté. On n'a plus qu'à wait comme un connard pendant 8 ans et demi. La musique actuelle fait penser à là-haut? C'est une des musiques de ville d'FF14. Je crois même que c'est la ville d'Ulda, il me semble. Très bonne musique en soi. Comment on a accéléré toute cette merde là? On se fait chier là. Ouais, speed upgrade hein. Ouais, on va speed upgrade les gars. Ouais, on va faire un speed upgrade je crois. Et ça. Ça, y a pas d'upgrade là-dessus, c'est de la merde. Speed upgrade. On peut en crafter genre... On peut pas, hein. Non. Est-ce qu'on a du lubrifiant qui traîne? Ouais. Vas-y, j'en prends un peu. On le dira à personne, d'accord? Ah, mais il marche pas celui-ci, c'est pas le bon. Je suis un connard. J'en ai pas du coup. C'est nul! Bon, j'ai une speed upgrade, hein. Ça va faire la différence, ça va faire la diff, j'y crois. Ouais, pas vraiment. La diff n'est pas faite, les gars. Zéro diff. Zéro diff, zéro diff. Printed, mon cul. Est-ce qu'il y en a... Il les a fait. 5. Stylé. Attends, mais il est fait par combien? Surtout, je me trompe. Non, il est fait par 1. J'en ai fait 3 tout à l'heure. Donc plus que 3, ça veut dire. Intéressant. Enfin, les machines à la con. Ensuite, on pourra les créer nous-mêmes. Mmh. 62%, c'est pas beaucoup, hein. Qui c'est qui fait le... Lubricant. Ma souris bouge tellement mal. Je me ruine le poignet à faire des mouvements. Insupportable. Non mais c'est pas là que j'en ai là. En fait j'en génère pas du tout, je suis en train de me dire. Il faut quoi avec pour en générer? Du biofuel. Du biodiesel. Tout ça pour faire du plastique, je crois. Hein. Ouais, on a combien à dire? 308.
Est-ce que je me calme sur le plastique et je fais du... Ouais, non, je change la fin de refaire tout le système. Je prends des upgrades ici. Après, ça irait tellement plus vite. Tu vois, ça pue un peu la merde, hein. Oh! Et un de plus. Ah non. Et voilà, là, on attend, du coup. Nick. Nick, 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 nick. Printed. Printed, printed, printed. Mais je l'ai sur moi. Relou. Qu'est-ce qu'elles font les machines? Pourquoi ça excite le cul la machine? Ah d'accord. Bon. Combien c'est? 79? Allez, 20. Va bosser. Tiens. Peut-être je pourrais en mettre deux. Je vais en faire une deuxième, ça. UV Lightbox. Lightbox. Start. Start. Elle est où? Ah. Tac. Voilà, comme ça, on va aller deux fois plus vite. Comme ça, c'est du génie. J'ai augmenté la vitesse par deux, comme ça. C'est fou, ça. Putain, cette intelligence, quoi. Je suis fasciné par ton intelligence, hein. C'est quand même très long, cette merde. Très long et chiant. Printed. Ah, mais ça fait par deux. Ça fait par deux? Ah, du coup, il en faut moins que prévu. Ah, du coup, il en faut beaucoup moins que prévu, ouais. Attendez, ça le fait par deux. Normalement, non. Est-ce qu'il n'y a pas des résidus par terre? Magique? Non. Alors, c'est pas censé faire deux, c'est full bugué, en fait. C'est trop bizarre. Bon, ça me va qu'il y en ait deux. Hein. Pas se mentir. I. E. Pour un de chaque, je crois, donc c'est... pneumatique. Les pneumatiques. Alors... On va en faire un de ça. Comment ça, je peux pas... Ah oui, ils sont sur moi. Attends, mais je me suis trompé. Oh. Ah oui, si. Ok. J'ai peur. Donne à boule. Tac. À boule. À boule. On est bon avec ça. Ah, celui-ci en plus l'exporte. Quoi? Ah, j'ai plus de plastique, ça y est. Ça y est, on est à court de plastique. Ça arrive, enfin. Merde. Ok. Il nous faut un bucket, hein. Le fameux seau. Le fameux bucket, les amis. Non, ma souris déconne à balle, en fait. J'arrive pas à faire des diagonales. Elle bouge trop mal. Et c'est pas mon poignet, en fait. Parce que je perds des frames, et du coup, ma souris perd également des pixels de déplacement. C'est dégueulasse. Donc là, pour faire du plastique, voilà. Faut prendre le plastique molten, là. Et le poser en vide. Et je suis pas sûr qu'il y ait moyen d'automatiser ça. Il y a moyen d'automatiser ça, je pense, en vrai. Genre un truc qui dégage et qui hop. Qui, voilà. Mais honnêtement, flemme. Non, j'ai pas tapé sur le bureau avec ma souris, c'est pas vrai. Elle est pas cassée. C'est vraiment Lucia le problème, là. C'est-à-dire que si je quitte Minecraft, ma souris marche très bien, je suis sûr. Mon Minecraft sera ma mort. Faudrait que je le reboot, en vrai. Mais flemme.
Donc ça, il y a moyen que je l'automatise normalement. C'est-à-dire que je mets un truc qui... le liquide. D'accord, dans un seau. Et ensuite qui... le liquide dehors. Et en... le liquide dehors. Ça crée ça. Et là, je mets un hooper ou un truc qui récupère l'objet. Et qui le fout dans le système. Voilà. Donc il y a moyen. Mais on le fera pas. Pourquoi on le fera pas? Parce qu'on a la flemme. Ok. On aggrave la flemme. C'est marrant en plus, non? C'est pas rigolo? Ça vous amuse pas? Oh là, oh là! Bon, on a fait un certain nombre. C'était marrant. On s'est bien amusé. Et voilà, ça c'est parfait. Et là, j'ai du mal à aller sur le coin. Je vous jure, j'ai du mal à y aller. Oh non! Ah! J'ai juste envie de te frapper. Mais me frappe pas! Pourquoi tu me frappes? Je suis gentil. Je suis gentil. Comment ça, j'en ai 4 printed? Oula, on a... C'est... Mais ça bug à mort. J'en ai fait un de plus, j'en ai droppé 4 maintenant. Mais c'est quoi cette connerie? Alors ça me dérange pas, mais c'est bizarre. Ah, j'en fais qu'un. J'en fais qu'un seul. Il y a aucune raison que j'en ai 4. Hein. Ça en craft qu'un, voyez. Non, c'est vraiment chiant par contre. Je me ruine le poignet à faire des mouvements chelous. Aïe. Framerate, il est au pacotis là, il est au pacrette. Regardez ça, comment ça rame. Ça ramait pas ici avant. J'ai tout périmé, j'ai tout pourri ici. Quel enfer. Pourquoi c'est en duplique en vrai hein. En vrai, c'est un truc que je comprends pas trop. Je vais comprendre le concept. 88 devrait suffire. 75 à Ezou. Je peux mettre les deux en même temps. Évidemment, évidemment. Ok, donc on peut faire les deux trucs qui nous manquaient. I. I. Et 3. Et I. 3. Pneumatique. Tintintin. Super. À chaque fois j'ai peur. À chaque fois peur tout seul. Rentre, je sais pas du tout comment ça marche le système. Et j'ai oublié un truc là, non? J'ai pas oublié d'auto-crafter un truc par hasard. Et je crois. Il me semble, hein. La machine, le contrôleur, j'ai pas autocraft le contrôleur. Je suis vraiment une merde, hein, quand je m'y mets. Je l'ai pas crafté, vraiment. Assembler 4 contrôleurs, je crois pas. Eh bien, let's go. Non, j'ai vraiment pas fait. Vraiment guignol. Ok. Pourquoi je retourne ici pour faire le craft? Pas besoin. At pneumatique. En écrivant mieux, bien sûr. Tac. Et ça start. Ok, ça c'est fait. Je sais pas du tout comment ça marche. Et il a toujours pas crafté les trucs là. Les printed. Nani. Non mais attendez, il y a un souci là. Oh, je l'ai même pas remis, je suis un gros débile. Non mais vraiment, il y a un souci. Normalement, il a recréé des printed. Vous voyez, il y a un souci. Trop bizarre. En fait, j'ai l'impression qu'il m'envoie des items gratuits alors que normalement, il n'y a pas de raison qu'il m'envoie des gratuits. Il n'y a rien qui est bloqué. Il n'a pas crafté tout à l'heure.
printed. Ouais, ça a bugué, je crois. En fait, ça m'a donné en trop. Et là, il est en train de récupérer le surplus de craft. Je crois que ça bug, la machine. Mais je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr, mais je crois que ça plante. Hein. Ok, donc comment ça marche, ça? Part of an assembly line, hold item in place for drill and lasering, d'accord? Part of an assembly laser item on an assembly platform. Ouais, je sais pas comment ça se place, hein. Ouais. On va le mettre ici, hein. Donc ça, c'est l'item central où on posera l'item, apparemment. J'ai vraiment du mal à comprendre. Je teste un truc, on va voir si c'est une bonne idée. En tout cas, c'est joli. J'aime bien ce que j'ai fait, c'est sympa. Un certain assembly programme into the controller. T'as dessus. Il a juste le drill. Merde. Ah, faut que ce soit connecté. Directement collé. Alors comme ça. Quoi? Déplace-le. What? Ah! Shift. Shift. Et shift. Est-ce qu'il a tout là? Assembly plateforme, ouais, il faut que je la colle aussi. Ok. Il a tout, d'accord. Tam, pam, pam. Donc ça, c'est l'état magique. Eh, il me suit l'écran, c'est flippant. C'est effrayant, arrête de me suivre. Bah, tu me suis pas. Alors, on me suit plus comme ça? Il est effrayant, cet écran. Donc là, ils font un programme magique, d'accord. Donc nous on veut faire des... on va faire ça déjà pour commencer. Pour faire ça il faut assembly programme laser. Alors c'est pas automatisable je crois. Moi je veux créer plusieurs fois ça parce que ça c'est des câbles plus épais. Et avec ces câbles plus épais ça nous permet également bah, de... d'envoyer plus de... plus d'air comprimé. Ce qui est mieux. Ce qui est mieux évidemment. Qui est bel et bien beaucoup mieux. On va faire ça, c'est plus simple. Drill and laser, tac. Comprimed iron. Merde. Bon, d'accord. Iron. Voilà. Pardon. Ok. On est bon. Je fous le programme. Tac, il a le programme. Il y a tout qui fonctionne. Et là, je fous l'item normalement. Pas comme ça, malheureusement. Pas comme ça non plus. Ici. Non plus. Comment ça marche? No problème. Pressure, c'est bon. Et qu'est-ce que je fous? Comment je fais? Compresseur... Attends, mais c'est bien ça. Je suis pas fou. Mais non. Il fallait bien... Block of Compressed Iron. Qu'est-ce que j'ai? Bah j'ai toutes les machines qui sont connectées avec le programme. Donc comment je les mets? Comme ça? Non, hein. Ça marche pas, chat. Standby. Comment ça, standby? Comment ça, il y a un truc de marqué, c'est effrayant. Tiens. Tiens. Ouais, ça marche comment? C'est pour importer, mais ça peut importer quoi? Mais comment ça marche? Machine du diable! Et comment? Bah ouais, mais
Pas compris comment ça marche. Ouais, faut garder le truc. Ta ta chi chi chou chou chou. Pa la la da 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 da. Ta ta ta. Ta 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 ta. Chou chou ti chou pa pa pa. Bon, on va aller voir ça. On va la relancer d'ailleurs. 74 et 86. Il va plus vite celui-ci en vrai. Ah, il a karaté. Incroyable. Nick, 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 nick ta mère. Pardon. Nick, nick, nick. Pourquoi ça marche pas? Est-ce que vous alimentez en jus aussi, peut-être? Non, hein, tout le système est alimenté normalement. Mais pourquoi il est pas? On va lire le bouquin. On va lire le bouquin, les gars. Manufacturing. He doesn't handle buff oil. Ouais. To be able to create an entire metal, you need an assembly system of connection des machines combinées. They are when they are horizontally adjacent. Ok. Which time can exist? Ouais. Ok. Ouais. Ok, c'est fait. Le programme c'est fait. Auto-control de ressort, ouais. Il s'assure, open the gate aussi, ouais. Ah ouais. Il faut des chaises donc. Ok, il faut un chest. Le chest, je peux en passer par un autocrafter normalement pour envoyer automatiquement les items ici pour que ça les foute. Et ensuite, je les récupère. C'est faisable également. Je peux également automatiser ça si j'ai envie, mais peut-être pas envie quoi de le faire. Parce que bon, en vrai, il va falloir que je le fasse. Hein. Donc là, je fous là-dedans. Ça. Et là, il les prend. Go, go, go. Prends. Ah, il prend, regardez. Regardez, il prend, c'est fou. Ah oui, si, c'est bon. Donc là, en fait, ce que je ferai la prochaine fois, c'est qu'à ce coffre, je connecte un autocrafter et je mets l'autocrafting sur... Mais le problème, c'est qu'il faut également que je range le programme là-dedans. Donc quelque part, autant manualiser, parce que dans tous les cas, ça demande de la manualisation. À cause de, du fait qu'on va changer le programme. À moins de créer plusieurs machines. C'est chiant. On verra quand j'en aurai besoin en masse, pour l'instant. Par contre, il peut la sortir ou pas? Non, parce que... Ah, il faut que tu viennes là, après. Hein. Comment ça, stand-by? Mec, tu stand-by pas, je vais te défoncer la gueule. Ok, je pense à pourquoi. En fait, il a pas accès. En fait, c'est qu'à son bras, il se débasque à un bloc, je crois. Il l'avait dans les bras, c'est ça. Il l'avait, mais il n'arrivait pas à faire le retour arrière. Donc, il l'avait pris. Et là, voilà. En fait, c'était trop loin pour lui, c'est pour ça. C'est comme ça que ça marche. Il faut que lui soit un bug de toutes les machines. Il aurait pu me dire quand même que c'était pas bon en termes de position, mais bon. Ouais, vas-y, mets-le. Vas-y. Allez, ça, c'est beau. C'est très lent. Très, très lent. Slash, le schlou, schlou, schlou.
PD. Elles sont de retour, les jellyfish sont de retour, oui. Merde. Bon, c'est long, non? Ça running quoi? Ça running... C'est un running gag, en fait, c'est tout ce que ça fait. Ça running pas du tout, sinon. Allô? Il faut que vous bossiez, vous aussi, hein. Allô? Running. Ah, c'est running. Ah, c'est running, ça va. Les gars, c'est running. C'est ok. Eh, tant que c'est running, c'est cool. C'est bon, quoi. Je joue mieux. Eh, j'essaie de jouer Nobio, j'essaie. Coucou à toi, d'ailleurs. Coucou, comment tu vas? J'essaie, j'essaie. Bon. Pas mal, ça, pas mal. J'ai pas replacé le truc ici, je suis un débilos. Tu vas bien? Tu vas bien, tu vas bien. Non mais ça running pas du tout là. Oh, je crois savoir ce qui se passe. Vous pensez qu'en diagonale c'est trop loin aussi? Et que du coup faut que je les tape là, là. Oh, je crois quoi hein. Je vais vous montrer. Ouais, ouais, je sais, je crois, merci. Genre, si je fais ça là. Là. Comme ça. Putain, mais relou. Le chest. Tac, tu vas prendre l'item. Et également l'export qui lui sera là. Voilà, donc là, ça lui paraît complet. C'est... Je crois que c'est pour ça en fait. Par contre, il me prévenait pas. Toi déjà... Non, ça va bien, oui, je sais bien, Nobio, t'inquiète pas. Tu ne me vois pas, voyons, évidemment. Ça va très très bien. Ça va bien, je vais bien. I'm fine, thank you. Donc là, tu places le bloc ici. Like grand garçon. Je crois que c'est comme ça qu'il fallait que je le mette. Hein. Parce qu'en diagonale ça ne passait pas, mais la machine ne me prévenait pas. Tu poses le bloc. Parce que normalement la machine te dit « Hey, en diagonale, ça marche pas !» Ouais, c'est ça. Parfaitement, ça marche maintenant. Donc là, ça... Bim. Tintin. Faut que je mette un coffre ici. On exporte. Putain, mais... Lui, ce sera l'export. Et je vais également lui connecter un importeur pour balancer directement dans le système. Importeur. Non, pas pour l'instant. Oh, ça marche, regardez. Oh, ça transforme. Oh, trop bien. Maintenant, ça ira mieux. Petite musique d'Only. Blackwell Academy. Je connais pas la musique. Est-ce que je fous l'importeur directement maintenant? Oh, ça fait des câbles, regardez, c'est bon. Et lui, il va le prendre et le mettre dans le coffre, normalement. Ah si, c'est la musique qu'on entend dans le trailer, non? Ouais, elle est bien, la musique. Et lui, il va le foutre là. Clap. C'est très long, comme processus. C'est genre méga long. Le processus est relativement long, hein. Il prend, et il le fout là. Ah, ok, j'ai compris comment ça marchait. Pardon, je deviens fou. Et ça le fout dans le coffre, évidemment. Et voilà, on les a. Mon dieu. Ça, on peut l'automatiser. Là, il continue. Je vais le foutre dans le système. Je vais très clairement le foutre dans le système. Et là, je vais mettre un input. Ah non. Si. Si, si. Par contre, fais pas tout, mec. Hein. Voilà, du calme. Tu te calmes de suite, hein, je te le dis. Je te le dis, tu te calmes de suite. Voilà, tu te calmes maintenant. Je vais connecter ça à un système. Je suis vénère. Ok, je suis vénère. Donc ça, ça dégage. Importeur. Importeur. Tac, l'importeur sert à balancer les objets dans le système, pardon. Donc tac, il faudra que je le connecte, évidemment.
Là, je vais mettre un pas un exporteur, je vais mettre un crafter qui va balancer les autocrafts entre guillemets. Tac. Je vais le connecter au coffre. Je vais mettre là, comme ça sera plus simple. Et pas dans le bon sens, évidemment. Évidemment. Voilà, là, il est bien comme il faut. Faut que je mange autocraft évidemment dedans également. Exporteur, pas mal la musique. Exporteur, pas du tout, c'est des câbles. C'est juste des câbles qu'il faut. Des câbles. Des câbles que je vais passer par au-dessus comme ça, proprement. Alors j'ai foutu un câble derrière le coffre, je sais pas comment j'ai fait. Ok. Et ça, je le connecte au système par ici. Non. Et voilà. Et là, paf, ça fait de la lumière. Voilà. Donc là, c'est connecté au système, c'est tout bien. C'est tout cool. La musique est terminée déjà ? Ah, c'était cool, c'est dommage. C'était chill. C'était cool, c'était cool. Donc voilà. Là, ça autocraft tout ce qu'il y a directement dans le coffre. Ça le balance. Enfin, le bras le prend parce que c'est un voleur. Et il le craft selon le programme que lui, j'ai mis là-dedans. Il y a trois programmes différents, je crois. C'est pas la folie. La musique est très cool, ouais. Et le reste, il y a là-dedans qui se fera automatiquement bouffer pour partir dans le système. Donc lui, ça sert de buffer, quoi. Parce que la machine a besoin d'un coffre. Donc là, je vais chercher l'auto-crafting de ces câbles. Je vais le crafter, entre guillemets. Merde. Donc, pour ce faire, il faut que je parle à cette machine-là. Je cherche les câbles, ils sont où? Ils sont là. Clic droit. Clic gauche. Tac. Donc voilà. Il dit qu'il faut tout ça, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire... ça, c'est non, ça, c'est non, ça, c'est non, ça, c'est non. En fait, je me suis trompé de craft, donc on va dire non à tout. Tac, clic gauche. Machine. Là, on va prendre celui-ci, on le fait plus. On lui dit que ça, on l'a déjà, ça c'est déjà installé, ça c'est déjà installé, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Du coup, ce que va faire la machine, le crafter, l'auto-crafter, il va balancer dans le coffre juste ça, et en sortie, il va nous rendre ça. Enfin, la sortie, on s'en fout, entre guillemets, parce que c'est juste pour dire que quand on envoie dans l'auto-crafter ça comme bloc, on est censé avoir ça en sortie. Donc en gros, l'ordinateur va comprendre que quand il aura donné ça, au bout d'un certain temps, on aura ça. Voilà. Donc ça, j'ai le patron. Je vais également quel patron des feux là, enfin des trucs à air là. Si je trouve. Hein. Là. Tac. Voilà. Tac. Lui, je peux le mettre sur un autocrafter normal, c'est un craft basique. Voilà. On sort. Je vais dire au autocrafter que maintenant il peut faire appel à ce fameux craft là. Et maintenant, par exemple, tac, si je fais ça, et que je fais I, non E. Et que je cherche mon craft, pneumatique, mon cul. Et que je vois les câbles. J'en ai sur moi déjà, je vais les prendre. Ils sont les câbles là. Et que je lui dis, bah j'en veux, je sais pas, j'en veux 5 par exemple. J'en veux plus que ça, parce qu'on c'est en nombre. J'en veux... Bah 32. Je fais start. Et il va me dire que j'ai besoin de 4 blocs. Et il va envoyer 4 blocs dans le coffre. Lui, il va envoyer 4 blocs dans le coffre. Allez, paf. Du coup, lui, il va bosser pour 4. Pour faire 4 fois, je sais pas combien, bon, 32. Enfin, pour que ça arrive jusqu'à 32, quoi. Et lui va récupérer et balancer dans le système. Voilà. Donc c'est automatisé. Pour ce programme, hein. J'entends bien, parce que si je change de programme, ça ne marche plus. Ou alors faut que je fasse d'autres temps de machine qui aide le programme. Ou alors faut que je fasse un truc qui permette, qui sait. Mais c'est impossible parce qu'il faut que le truc envoie à deux endroits différents un item. Et c'est pas possible. Petite musique, Donny, let's go. Voilà, j'espère que vous avez compris, hein. C'était hyper intéressant, hyper enrichissant. Donc ça, c'est automatisé, c'est plutôt sympathique. Peut-être que je peux m'amuser à automatiser aussi le plastique, en vrai. Comme j'ai dit. Mais j'ai la flemme, parce qu'il faut un hooper, il faut... En gros, je sais pas si l'item existe. Ça existait, mais je les connais pas, donc je sais pas quoi taper. Donc là, le but, c'est qu'on va remplacer... On va remplacer tous nos câbles dégueulasses, déjà. Pour commencer. Par les gros câbles, qui, eux, vont jusqu'à 20 bars et non pas 8. Et pareil, pour ça, ça peut générer jusqu'à 20 bars, ça. Donc finalement, on aura beaucoup, beaucoup plus d'air dans le système, et ça ira beaucoup, beaucoup plus vite. Je suis content, ouais, je suis content. Ça, je suis content. Par contre, ça me rend ça aussi, c'est chiant.
Ça... Oh, dis donc. C'est la chute, monsieur. Mais dis donc, monsieur, c'est la chute, hein. C'est la chute. Bon, bah on va connecter les câbles, hein. Bon, bah c'est parti. J'ai un peu peur que si je fasse ça, ça fait des... partout. C'est un peu ma fille. Oh, 98. 99. 89, hein. Putain, mon dieu. Ah, lui, il est fini à 100%. Plutôt que je peux les créer maintenant. Alors que je m'emmerde encore à les faire comme ça, mais... est-ce que je change d'abord les machines ou pas? D'abord changer les machines. Donc là j'ai balancé l'autocraft, donc je vais pouvoir en faire pneumatique. 1, 2, 3, 4, 16, 15, il en faut. Voilà, c'est automatique ça, c'est facile. Où sont-ils? Pas si automatique que ça, hein, visiblement. Il y a moins que 7, mec. Il y a moins que 7. Ah, parce qu'il manque les câbles. Tiens, cadeau. Bah, ils sont là, les câbles. M'emmerde pas, mec. C'est quoi ton sushi, là? Bon, on va voir s'il bloque. Apparemment, il est bloqué. Bah, il est bloqué par ça, mais il les a. Ah, mais il veut pas les miens. Il veut attendre la machine. Bon, bah, il va attendre la machine, alors. Quand il les mettra à l'avance. Du coup, il a constaté qu'il voulait ceux de la machine, non pas les miens, que j'ai posés. Bah, je vais les récupérer alors, hein. Nique. Hein. Hâte pneumatique. Pneumatique. Déjà, c'est à moi, ça. Tac. C'est mes câblos. Et on attend les 8 autres. C'est quand même très très long, la machine du dessus. Hein. Très 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 long. C'est la machine la plus longue du monde, c'est la machine la plus longue du monde. C'est quand tu veux par contre. Ils sont là! Ils sont là les câbles! Non, tu les prends pas? Pourquoi tu les prends pas? Jackie? Yo Jackie là? Tu fais quoi là? Processing. Ah! Quoi? Oh? Hein? Hein? Oh? Quoi? Hein? Bon. Ah! J'ai compris. En fait, ceux-là, il les considère pas comme existants, donc je les crée, mais il attend la fin de ça. Bon, on cancelle ça et normalement c'est bon. Bon, flemme. Bon, j'ai compris pourquoi ça marchait pas. Parce qu'il les avait pas, en fait. Vu qu'il les réserve. Non. Chiant, ça. Pneu... Air... Compressor, on en veut 8. Peut-être 7, on en veut d'ailleurs. Start, et là ils sont directement faits. Hop là. Voilà. Il va y avoir des câbles encore par contre, hein. Il va nous falloir des câbles, hein. Pressure tube. Ah, mais il les reprend pas, donc il est quand même en train de les faire en vrai. T'as la fin de la musique? Ah, mais t'as mis toute la musique. Vas-y, c'est chill, on peut laisser. Là-bas. Donc là, faut qu'on remplace le mur. J'ai un peu peur qu'en cassant le mur, il se passe des choses bizarres, mais... Bon. Ça fait comme si on ouvrait un coca. Vous entendez? On ouvre un coca. C'est génial, non? Le coca est ouvert, les gars. C'est génial, non? C'est du coca. Ok. Donc là, ça va carburer, là. Quoi? Attends, ça... Il faut une plus forte température? Ça génère pas, du coup?
Si, c'est bon, y a pas de problème. Qu'est-ce que tu racontes là? Y a un problème ou pas? Pas de problème. Par contre, faut que je change les câbles parce qu'ils vont envoyer beaucoup trop sinon. Je crois, hein. Ouais. Ça va auto-réduire, je crois. Ah non, ça monte. Oula. Y'a un truc qui va péter. Ça a queené. Oh merde. Non, chef. Qu'est-ce qui a pété? 20 millions de vues sur YouTube, c'est un peu trop connu. Après, ça dépend si c'est jeux vidéo, mais si c'est populaire, ça va poser problème. Alors, qu'est-ce qui a fait boum? Pas de machine, je t'en prie, pas de machine. Apparemment, c'est un câble qui a fait boum 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 boum. Mais pourquoi ça fait boum 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 boum? I want you in my room. Pourquoi, les gars? On a esquivé le drame. Bon, ça génère beaucoup de barres. D'accord. On voit. On le voit. Je sais pas où c'est que ça a pété, par contre. Vraiment, j'ai... Par contre, je sais pas pourquoi ça a pété. Donc ça prend 5. Donc là, il faut un dépressuriseur. Ok. Là, il en faut un également. C'est là où ça a dû péter, en vrai. C'est-à-dire que là, en sortie... Tac, il faut que je mette un... Ils sont où? Pressure. Putain, ils sont où? At pneumatique. Voilà. Tac. Pourquoi j'ai tant de merde comme ça? Ah ouais. Ok. Donc là, faut que je mette un petit stoppage. Une petite valve. Tac. Donc voilà, ça c'est une sortie quand ça dépasse les 5 de la machine. Parce que cette machine ne peut pas aller au-delà de 5. Vous voyez, sinon elle fait boum, 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 I want you in my room, d'accord? Coucou Michel Labrie! C'est moi la valve? Comment tu vas l'ami, tu vas bien? Non. C'est moi la valve? Mince. Je viens de découvrir une chaîne trop violente. Faut me permettre ou j'ai le droit de link? Alors t'es pas sub, donc normalement tu peux pas envoyer le lien. Mais sinon il te faut un permis, mais envoie-le quand même, ça va te TO 7 secondes, mais t'inquiète, j'ai tout, j'aurai le lien dans tous les cas. J'aurai juste le souci là et ensuite c'est bon. Donc là elle prend suffisamment d'énergie, ça sortira le 5. Qu'il faut pas. Hop là, I got the link, it's ok. Là, il y a déjà une sortie, je crois, donc c'est bon, on peut connecter. Attends, mais il n'y a pas des trucs plus violents, en vrai, que cette merde, là? Non, je pense pas, c'est bien, déjà. Donc là, on est sur du 5, en max pressure. Ok, je sais pas où c'est que ça a pété, par contre, vraiment pas. Là, il n'y a que des machines à 5. Je crois. Ouais, donc bah les couilles, c'est bien la valve ici. Cette valve est bonne. Quoi? Mais où c'est que ça pète? Ah mais c'est la machine. Mais what? Mais il y a une sortie d'air normalement. Ça marche, mais oui, bah je regarderai après, ouais. Je règle le problème ici parce que c'est important, sinon je vais faire tout mon truc automatique au-dessus. Vas-y, ça me fatigue. Voilà. Pourquoi ça? Bon, ça c'est ok. Mais normalement, c'est censé virer l'air. Bon, il y a trop de. Il y a trop de barres là. Il y a trop de pression ici là. Bon, il faut qu'elle diminue avec le temps. Ça c'était bon ça. Normalement, ça éjecte là. Pourquoi ça éjectait pas ici?
Heureusement qu'il y a le son de... qui est là, hein. Sinon ça aurait été compliqué, hein. Tout aurait pété, quoi. J'ai déjà testé, hein. Il y a tout qui pète, hein. Je me suis fait avoir tout à l'heure, il y a tout qui pète vraiment, c'est vraiment la folie. Bon, ça va être long à monter, par contre. Est-ce qu'elle redescend un jour? Non. Peut-être qu'il y a un problème parce qu'elle redescend pas en barre. Pourquoi elle redescend pas? Ah, parce qu'il y a plus... Mais si, ça génère encore. Mais pourquoi ça descend pas? Mais descend! Est-ce que ça arrête de sa pression? Je suis coincé. Ça arrête de sa pression, ouais. Ok, donc du coup ça arrête de la pression, ça m'a tout filé bien sûr. Ah, c'est à cause de ça, je crois. Non? On va pas le mettre, hein. Putain. Bon, fin de musique, je change la musique. Ah si, sous dans le vide, on le voit. Ok, c'est bon, ça marche. Ah d'accord, j'ai compris pourquoi ça marchait pas tout à l'heure. Parce qu'en fait, elle est trop près, la machine est trop près. Ce qui fait qu'en fait, comme elle est près, je mets ça sur le... pas le bon, et ça ne marche pas. Fin de musique. C'est bonne musique ça, moi j'aime bien. J'aime bien tout ça. Merde. Ça allait pour toi la leçon, Michel, ok. Attends.
On a combien là? 2,3. Par contre, ce serait bien que ça accélère le cul là. Et parce qu'en fait, il faut que je sépare les deux systèmes, le système à 5 et le système à 20. Sinon, tout va être limité à 5. Info sûre, quoi. Après, en vrai, une fois qu'il a alimenté, lui, on s'en bat les couilles, hein, je suis en train de me dire. Parce qu'apparemment, il perd pas de... Il en perd pas de barre. Donc au pire des cas, Valek, hein. Bonne nuit à toi, Nobiru. Des bisous, porte-toi bien, repose-toi bien, merci d'avoir été là. Et des zoubis. Ça se passe comment ici? Ah, Sam, il est loin monté par contre, hein. Effrayant tout ça. Normalement, il doit être limité ici. J'ai limité partout là. J'ai limité où d'ailleurs? C'est où que j'ai mis la limitation? Elle est plus là. Ok, elle est là. Donc là, sur toute cette branche là, ça va être limité. À 5, parce que je l'ai mis sur un câble 5. Le problème, c'est que bah, ça marche pas comme ça la pression. Il peut pas y avoir 20 ici et 5 ici, hein. Donc ça va limiter sur tout le système à 5 normalement. On va voir, mais... J'ai bien peur que ce soit ça. Et auquel cas, ça ne sert à rien, quoi. Donc faut que je fasse deux systèmes. Ou alors que je déconnecte les machines une fois qu'elles sont... Je sais pas si elles prennent encore de pression, une fois que ça tourne. Une fois qu'elles sont lancées. Assurance suspense, on arrive au bout. Ils sont jolis ces câbles en tout cas, en bleu comme ça. Je les aime bien, ils sont beaux. 89, attention, suspense. Est-ce que ça ralentit? Et ouais, ça se stagne partout sur tout le système quoi. Eh oui, c'est normal. Tout le système est à 4, c'est ça. C'est évidemment normal. Eh non, c'est normal en fait. Tout est limité. Fait chier. Attends, je vais tester un truc maintenant. Ok, je vais l'alimenter. Voilà. Ouais, tu vois, elle prend pas. Elle prend pas de barre quand elle tourne. Par... Je veux passer. 4,48. Elle est en paire par contre. Fais chier. Fais yesh. Donc elle, je suppose qu'elle s'en fout aussi. Typiquement, si je lui fais ça... Elle s'en branle. Ces machines-là s'en branlent. Il faut juste un truc de départ, après elles s'en branlent totalement. Ah mais là, il y a un problème. Il y a cette machine en tout cas. Et elle me limite. Est-ce que je peux genre... ...4,45. Toujours à combien ici? 4,48 toujours. Ouais, donc ça... C'est pareil ça. Ah ça c'est pareil. Une fois un deuxième système. C'est que le bot a insulté ma maman. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait le bot? Qu'est-ce qu'il t'a fait? T'as pas insulté? Ça va, il est gentil. Il est gentil, t'as pas insulté? Quel bâtard. Quel catin ce bot. Je l'ai fait me faire un deuxième système. Surtout que c'est overkill quoi. C'est complètement overkill en vrai. Je vais faire un deuxième système. Pour alimenter les machines qui peuvent être alimentées à 20. Typiquement, même pas ça là, même pas ça là, elle fait même pas. En vrai, je me suis fait chier pour rien parce que tout, y a rien qui est alimenté à 20 quasiment.
part ça, là. Lui, là. Même pas. Oh, c'est de la merde. Eh, vous savez quoi? Vous savez quoi? Ça m'a saoulé, frère. Je suis coincé. Donc là, il y a un robinet déjà. Donc normalement, tout le système devait être à moins de 5. Tac. Tac. Quoi? Comment ça, on manque un? Ah, mais celui qui a pété tout à l'heure, oui, effectivement. Celui qui a pété tout à l'heure, comment ça s'appelle? Tube. Tube AIC. Donc il y a bien un tube qui a pété. Ok. Donc ouais, j'en ai mis un au cas où ici aussi, mais ça servait à rien. Donc tout est à 5 et tout est relié, hein. On peut dire que c'est un tube dentifrice? Non. Non, non. C'est pas un tube dentifrice. C'est trop dangereux. On peut pas dire ça. Pas se permettre de dire ça. Par contre, faut que j'attende et que je surveille maintenant. Chiant. Et ça bosse plus là. Stand-by. Ça veut dire qu'il n'y a plus de juice, ça. 3,5 bars, c'est ça. Bon, le CMRO. Parti. Ouais, c'est vrai, tu as raison. N'utilisez pas des tuyaux de ce type. Ouais, c'est ça, c'est trop dangereux. D'une, ça marche pas. Et de deux, ça peut abîmer vos dents, quoi. Surtout si vous raclez un peu trop fort. Comprenez, faut pas racler. C'est le danger, quoi. Alors, on va mettre un truc ici, là. Tac, tac. Tac. Tac, tac. Par contre, on peut utiliser ça comme paille à condition d'avoir une bouche assez grande. Oui. Oui, oui. Ça, c'est faisable, par contre. C'est sans danger. Pas dit que soit... Faut bien laver le tube, hein. C'est pas simple parce que c'est un long tube généralement. Et mais ouais, c'est faisable. C'est faisable, faisable. Bizarre, mais faisable. Donc attendez, parce que là on a... On a du truc là, très bien. Mais... Merci beaucoup. Le but c'est qu'on finisse le mode et qu'on se casse de ce mode parce que, voilà, je suis pas hyper fan de ce mode. Il nous reste pas grand chose à crafter en vrai. Ça, il en faut 4 du coup. Là, il en faut 1, 5. Et là, il en faut 2, ça fait 7. Et j'en ai 5 et 7. Parfait. Franchement, parfait. On fait ça et on se casse ce mode pour l'instant. On y retournera quand on aura les crafts de fou à faire. Mais pour l'instant, c'est assez automatique. Je vais pas le péter parce qu'on a besoin pour les crafts, certains crafts. En vrai, je suis même pas sûr qu'on a besoin pour beaucoup de crafts, mais on verra. Ça pompe des frames, c'est fou par contre. Parce que plus ça va ramer, quoi. En fait, j'aurais fait une dimension pour chaque machine. Chaque machinerie, chaque mode. Parce que... pauvre dimension, quoi. Je suis en train d'enculer la dimension, là. Rien qu'avec moi tout seul. Mon frère Might, il a mal. Il a mal! Tiki, 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 tiki. Bon, j'ai quand même envie de surveiller, voir si ça va monter à 5 et que ça va pas trop péter. Ça met longtemps à monter à 5. Pouvez-vous monter, s'il vous plaît? Non? Après, il faut tout ça aussi alimenter. Pardon. Je deviens fou. Mmh.
Comment ça explose? J'ai vu un truc qui marquait explose. Ah non, expose. Pff, j'ai eu peur. I. Donc là, le but de la manœuvre, c'est de faire des autocrafts. D'ailleurs, ça, ça m'inquiète un peu. Ça va, c'est pas inquiétant. Ouais, on va lancer... Je vais attendre les deux trucs, là. Et après, on lance la création des sept... Des sept trucs écrits, là. Allez, la boule! Je sais pas quelle idée ils leur ont pris de mettre des items qui ne disparaissent pas. Très bizarre, cette histoire. Oh là, lag. Alors... Je sais plus ce que c'était. Bon, pneumatique. Pneumatique. Ah, printed. Set. Start. D'ailleurs, c'est marrant parce que tout à l'heure, j'en ai crafté encore un, il l'a pas donné, quoi. Peut-être parce qu'il m'en a donné trop tout à l'heure, j'avais raison, il m'en a donné trop. En fait, ça plante un peu l'autocréation avec ce mode. Bon, on va lancer l'autocraft. Comme ça, dès que ce sera fini, on n'aura plus qu'à les crafter. Même ce cube commence à ramer un peu. En même temps, il y a beaucoup de machines. En même temps, il y a beaucoup de machines. Alors. Le stuff, il est où? Putain, il faut que je fasse un truc dégueulasse, là. Relou. Tac. Le torse. Pareil, faut faire une mur de merde, là. Relou. Relou, c'est le petit con. Tac. Juste regarder. Tac. L'armure, c'est fait. Le pantalon. J'aurais pas assez de trucs à la con pour lancer tous les autocrafts. La tête. Non, les bottes. Tac. Ok. Il y avait la caisse rouge là. Qui gratte. La caisse rouge, elle est là, dans cette salle-là. Comment elle forge énergie. Ouais. Un tout comme ça. Oh, incroyable. On peut convertir de la FE en air. Mais du coup, pourquoi je me casse les couilles avec des putains de câbles? On va faire ça. Enfin, on va en faire ça. On fera ça plus tard, quand on devra s'en occuper, pour que ce soit plus propre. Parce que là, ces machines à la con qui génèrent non-stop, c'est ça pompe à mort. Ah, on va dissiper de la chaleur apparemment. Sans un peu de... En vrai, bah, c'est... je m'en bats les couilles de combien ça prend en fait. Je suis infini en ressources, en énergie. Entre guillemets. Donc ça, c'est tout bénef, ça. Ça fait chier. Ah, ça fait chier par contre. J'ai vraiment pas fait le blast furnace. Vraiment un connard, moi. Le four. Tac. On a ça et c'est bon. Exact mode, ok ça. Oh, j'ai plus de place. Oh, énorme. Oh, énorme. Crafter. Énorme. Ok, je passe. Je sais pas lancer ce craft ou pas, je sais même plus. Mais non, j'ai pas fait le craft. Mais non. Connard. Voilà. Et on est bon. Je vais refaire des patterns. Des patterns. Tête. J'adore cette musique.
Et fuite. Ta 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 ta. Il y avait un craft encore qu'il fallait faire. Tac, tac, le circuit. L'avancée PCB. Il est où ce con? Là. Clic droit. Ouais, voilà, pourquoi il en a besoin, quoi. Et ça, c'est nécessaire, en vrai, plus pour le tard. Pff, my god. My god, c'est craft de fou. Faut faire ça. Excellent. Faut le péter ça. Bref. Avancer PCB, tac. Tin, 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 tin. Ok, normalement on a tout ce qu'il nous faut. Est-ce qu'elle a fini? Elle a fini. Donc on va pouvoir crafter tout ça et finir ce mode pour l'instant. At pneumatique. Alors, il faut en craft. Non, je clique à côté. Start. Quoi? Mais ils vont où? Ils se moquent de moi ou? Il a friqué. Zéro? Mec, t'en as friqué. Zéro? Tu te piles ma tronche. C'est pas possible, tu te fous de ma gueule là. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas où est-ce qu'il est parti. Est-ce que je peux voir peut-être? Les transistors. Ah bah oui. Ah il en est là. D'accord, ok. Il en est là. Ah ça y est, il va en faire rien, je crois. Ok. Ok, ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps, c'est normal. Donc là, c'est bon, il devrait avoir tout process normalement. Non, il faut qu'il la récupère après. Et non, il n'y a plus besoin. Normalement, il craft là. Ouais, normalement, c'est bon. Atte pneumatique. Avec un C évidemment. Oh! Tchou. Ouais, je le connais. J'ai vu. GG. Merci. Tin. Pneumatique, boots. Pourquoi ça sert ça? Ouais, c'est des stuff de merde. Dommage qu'on n'a pas le réacteur, j'aurais pu nous faire des putains d'armures. Dommage. Où sont les bottes? Voilà. Où est le torse? Là. Oh merde! Ça a bloqué. Chier. Putain, je suis un con. Ah, je le sais en plus, hein. Eh ouais, faut que je lance. Quel connard. Putain, pneumatique.
Qu'est-ce qu'il me raconte là, ma machine? Ma foi, j'aurais dû l'éteindre aussi, je l'ai pas éteinte comme un connard. C'est bon, il est fabriqué. Cancel, ok. Ta-ta-ta-ta. Que t'es prête? Ouais, petite musique rigolote. Et un mode de plus. Ouais. Bon, ça c'est bon. Ce petit mode, il est fait. On s'en réintéressera plus tard quand on aura besoin. Pneumatic is down. Je vais le mettre sans faire exprès un coup de cul à mon chat. Ah, Barbao ? Super, Michel Labry. Pauvre chat. Il a rien demandé, il prend un coup de fion. Super bonne ambiance, quoi. Yes. Il va être heureux d'avoir pris un coup de cul. Tu. Pim, pim, pipi, piou, pipi, piou, pipiou, pipiou. Alors, qu'est-ce qu'on va toucher comme mode maintenant ? On va faire dans l'ordre, hein. Hey. RF Tool. Alors, RF Tool, j'ai... Mon cerveau va brûler. Ouais, bah, je suis accroupi. Il se met derrière moi et moi, j'ai reculé. Bah, coup de fion. Coup de fion au chat. Ça va, je pense qu'il en a vu d'autres, en vrai, à mon avis. Les dimensions, ouais. Bah, en vrai, peut-être. Peut-être je vais aller sur RF Tool pour faire des trucs dans d'autres dimensions. Pour éviter que ça pompe. Oh, mais Caro, elle a tout fait dans Dimension Tool. Dans RF Tool, quasiment. T'as quasiment tout fait. Nice. Mais t'excuses pas. Oui, mais il reste plus rien. Il y a des trucs ouais, que je sais pas trop quoi faire. Qu'il faut, en gros, qu'il faut utiliser des machines. Ouais. Surtout qu'en plus, fais-toi la main, toi, t'auto-craft pas. Ouais. Donc, nice. Ouais, on va taper RF Tool. Hein. On va vite s'y intéresser, hein. Après il est tard. Peut-être pas tarder à arrêter non plus. Je sais plus de comment ça marche, mon rêve. Bah, comme ton éthique, je savais même pas. Après tout, et je me suis pas si mal démerdé. Mais je crois que j'avais déjà fait. C'est le générateur de démonstration. Il y a un reward, c'est des coffres. Dans les coffres. Dans les coffres. Ah, je l'ai eu. Je l'ai eu, la reward. Je l'ai eu, l'abri. Michel, pardon. Ah ouais, enfin, il y a marqué LOL. Il te traite pas de con pour avoir tout le ticket. Comme un con. Je l'ai, cette reward. Elle traîne dans la banque, là. L'abri, ok, ça marche. C'est-à-dire l'abri alors. Tac, tac. Ok.
On ouvre le coffre. Chest. Je pensais que c'était juste infini pour le fun. Il y en a combien? Parce que là, je me suis peut-être fait bait en fait dans quelque chose qui est interminable. Non? Yes. Parfait. Parfait, parfait. On s'est bien amusé. Et voilà. On a ouvert le fameux coffre. Des machines de builder, ça qu'il faut que je fasse, je crois. Il y a quoi comme machine déjà en vrai? Il y a des crafters, après il y a des trucs qui sont redondants avec tout ce qu'on a, je crois. Est-ce qu'il y a un bouquin qui traîne? Ouais. Oh, les moments. Bon, bon. Je veux des bonbons. Bon, bon, mais t'en as, non? Oui. Ils sont loin. Bon. Vas-y, je veux des bonbons. Ah, désolé, je peux pas. Je peux vous les montrer. Et le petit cap comme ça, c'est trop bon. Trop bon, ça. Notre créateur de RiveToon n'est pas mal en vrai à mettre sur une chaîne de production parce qu'il peut aligner plusieurs recettes d'un coup. Je vois le truc. Non! Arrêtez! En vrai, je veux juste la partie qui gère les dimensions, je crois. Tout ce qui nous intéresse à nous. Oh là. Ouais. C'est des boss, ça. Ouais. Ululu. C'était fast, ta vanne. C'est une vanne que t'as recyclée, ça. C'était très fast. Je vais à mon moment par courrier sous 48 heures chez Michel Labri 404, rue non trouvée, 00066, couille en bris. La couille en bris. Ah ok. Donc c'est... Je veux dire, tu l'avais déjà en tête. Hein. Parce que c'est très rapide. C'est à cause de la garcie du fion. Là, pam pam. Enfin, par contre, ça met le doigt gras, c'est fou. Du coup, je fais un truc de glace, je me lèche les doigts. Pas très Covid, tout ça.
Mais pour toi, c'est toujours un moment d'anthologie. À un moment, j'ai réussi à tellement gonfler un brouteur, appartenu par les Valbalais, et n'importe quoi, qu'il me demandait d'arrêter. Arrêtez, s'il vous plaît. Laissez-moi partir, je vous en prie. Je veux partir. Ouais, c'est pas très utile ça. J'arrêtais pas. T'as bien fait. Je vais faire chier aussi. Bon, après, souvent, c'est leur métier de faire chier le monde, mais enfin, ils y peuvent pas grand chose. Je m'en fous de cette merde aussi. Attends, je suis vraiment paumé par contre. Je vais me venger de ton inconsistance bonbonesque, en me substantant de beignets à la framboise. Ça c'est bien ça, na. Ça c'est bien joué ça. Ça c'est très bien joué, ça donne faim. Des petits beignets là? Je dirais pas non plus à des petits beignets. Pardon. À tes souhaits. Merci. C'est du jus à ça, hein. Quoi? C'est pas ça qu'il y a là-dedans? Merde. Merci! On est de retour après un séjour à l'hôpital et on est là. Coucou Chewbacca en tongs, bonsoir. Ouais, j'espère que c'est pas trop grave. Comment tu vas l'ami, tu vas bien? Rien de trop grave, j'espère aussi. Oh, c'est pour choisir les dimensions, ça. C'est dégueulasse ça. Typiquement si je mets ça là, je peux pas. Je sais pas trop comment ça marche en vrai. Oh. Est-ce que tu continues la stream ou non? Un petit peu je pense, ouais. Parce que moi je me lève à 5h50. Ok, c'est vrai. En fait, il y a des maîtres qui influent sur le type de dimension que tu veux. Ok, ouais, c'est ça. Une anémie pour une connerie de devenir mince, mais ça va, ma femme m'a remis dans le droit chemin. Ok. Ok. Bah, c'est le problème, ouais. J'espère que ça va aller. Je vais aller dodo, hein, après. Ça marche. Et selon, plus tu permets des trucs, plus... Ok, je vois le truc. Plus la dimension suce, du courant. Après, j'ai courant infini ou presque, hein. J'ai 10 millions de générations. Donc, 10 millions, 10 millions,
de génération. Non, en vrai, je vais couper le live, je pense. Quelle heure il est ? Minuit, ouais. C'est pas ça, je m'attendais. On va cut au live, les amis. Il se fait tard. Ouais, nous aussi. Il se fait tard, je reviens quand même. Il est temps de cut, mais si, il est temps, Michel Abri, on finira ça demain. J'aurais peut-être même déjà fait demain soir, en vrai. C'est que minuit, il s'en va que minuit, ouais, je sais. J'aurais probablement déjà commencé, même fini demain. Je sais pas. Mais je vous tiendrai au courant de tout ce que j'ai fait, comme d'habitude. Comme d'habitude, je vous tiendrai au courant de tout ceci, tout cela. Pam, 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 pam. Ah, je t'ai perdu sur la scène. J'ai pas fait de planning encore. J'ai pas encore fait de planning, faut que je le fasse. Tous ici, tous là. C'est ça. C'est Patrick. Non, ouais, ouais, ouais. Des petits tous, ça va, quoi. C'est bon. C'est clean, je suis chez moi, je suis tout seul, c'est ok. Attendez, je remets les... Les aperçus. Ok, on est bon. C'est moi. Coucou, c'est moi. Mais ouais, j'espère que ça va aller, Chewbacca. Tant mieux si ça si s'est passé. J'espère que tu vas rester sur le droit chemin, du coup. Comme tu as dit. Mensonge, il y a une dame en dessin animé derrière toi. Alors oui, mais je suis tout seul. Elle est pas... Enfin, elle, pardon, elle est pas ici. C'est un dessin. C'est pas moi. C'est pas... Oula, c'est personne. demain, on va attaquer ça. Enfin, demain, j'aurai déjà attaqué ça, je pense. Pas même fini, peut-être. Je vous montrerai ce que j'ai fait, probablement. On attaquera un autre mode demain soir. Et on progresse très très vite sur, le... sur tous les modes. En même temps, avec la création, enfin, le... tout ce qui est la gestion automatique, ça va beaucoup plus vite de tout faire. Hein. On va pas se mentir. Sur ce, passez toutes et toutes une excellente fin de nuit. Dormez bien, reposez-vous bien. Et je vous dis à demain. Des bisous. Salut. Au revoir, bonne nuitée.